Oké, goedemiddag allemaal. Ik denk dat we kunnen starten. In de eerste plaats uiteraard wil ik iedereen van harte welkom heten. Dus door de collega's de la justice, ook de leden van Team Justitie bedankt. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici tant que physique par vidéoconférence autour de ces tables rondes. Vous êtes aujourd'hui présent pour continuer à discuter les problèmes de surpopulation des prisons, mais cette fois, on va se pencher sur l'exécution des peines. Le titre de la discussion du jour, c'est comment lever les obstacles à la sortie anticipée des peines. C'est un sujet difficile, et particulièrement après le drame qui s'est déroulé la semaine passée à Schaarbeek. 95 % des condamnés sortent un jour de prison, c'est une réalité, je dirais même 99 %, et il faut les préparer à cela. Parce qu'actuellement, 70 % de ces gens récidivent. Notre but doit être de diminuer ce chiffre, et c'est pour ces raisons qu'il est important de se pencher sur l'exécution des peines. Vous savez certainement, le gouvernement et moi-même, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre de nombreuses initiatives en matière d'exécution de peine. C'est évidemment le cas du nouveau code pénal qui sera bientôt présenté au Parlement. Mais il s'agit là d'une entreprise de très grande envergure qui n'aboutira dans de nombreux mois. Or, la situation, elle est urgente. Il faut donc agir avec d'autres moyens. C'est évidemment le cas des maisons de détention, de l'ouverture déjà réalisée de la prison de Haarn, de l'ouverture très proche maintenant de la prison de Nouveau-Dendremonde, ou encore les CPL d'Alost, de Wavre et de Pèves. Mais tout ne tourne pas autour de ces bâtiments. Er is meer en aangepaste capaciteit is nodig, maar zal het probleem niet onmiddellijk oplossen. Zonder structurele veranderingen zullen de problemen van de overbevolking blijven bestaan. We moeten daarom de wijze van strafuitvoering ingrijpend veranderen, zodat de druk op de gevangenissen op termijn structureel afneemt. En dat doen we door het uitvoeren van de korte straf via de wet externe rechtspositie, zodat we first offenders sneller op het juiste pad kunnen brengen en er in de toekomst kortere, maar effectievere straffen kunnen worden uitgesproken, zodat de doorstroom in de gevangenissen veel sneller verloopt. Recidive verminderen vanuit de gevangenis moet gebeuren aan de hand van een individueel detentieplan, waarbij we vanaf dag 1 werken aan risicotaxatie, aan rehabilitatie en aan het voorbereiden op de vrijlating. Voor de praktische uitvoering werven we massaal mensen aan op dit ogenblik: medisch personeel, psychosociale hulpverleners, zorgverleners, leidinggevenden, veiligheidsassistenten en, dat is nieuw, detentiebegeleiders. Dat zal allemaal ondersteund worden door twee nieuwe dossierbeheersprogramma's, twee IT-programma's, Just From Cell en Just Prison. Just Prison, de vervanger van CD-Suite, en ze zijn alle twee volop in ontwikkeling. Daarnaast zijn we in overleg met partners om voldoende aanbod te creëren, zodat gedetineerden in de mogelijkheid zijn om zich te herpakken en zich te laten begeleiden en/of behandelen. Ten slotte moeten we veel vroeger beginnen aan het risicotaxatie en aan het inzetten op het ontwikkelen van hun talenten, zodat we maximaal inzetten op de succesvolle reïntegratie in de maatschappij en zodat we die extreem hoge recidivegraad in ons land naar beneden kunnen halen. Dat is geen gemakkelijke discussie, want het is constant schipperen tussen het beschermen van onze maatschappij en kansen geven aan gedetineerden. Het afwegen tussen wat misschien best lijkt op korte termijn, langer opsluiten, maar niet altijd op lange termijn, de hoge recidivekans. Het durven risico's nemen. Al deze moeilijke, maar boeiende vraagstukken zijn stof tot nadenken en daar dient deze rondetafel ook voor. De uiteenzettingen van professoren Beyens en Nederland, beiden zeer gedegen experten in dit vak, zullen ons ongetwijfeld helpen bij de oefening. En ik wil de professoren nu al bij voorbaat danken om samen met ons mee te denken.
Ten slotte wil ik jullie nog herinneren aan het feit dat er niet nog één, maar zelfs twee rondetafelgesprekken op de planning staan. Op 16 december, dus binnen een kleine maand, een rondetafel over mensen zonder legaal verblijf in ons land. En begin 2023 gaan we ook onze externe partners erbij betrekken, inclusief de gemeenschap. Ook bij deze rondetafels zijn jullie uiteraard van harte welkom. Ik wens jullie allemaal een boeiende en vruchtbare namiddag en samen maken we justitie sneller, menselijker en straffer. Dank voor uw aandacht en een heel interessante dag toegewenst. Oké, dank u wel, meneer de minister. En welkom iedereen hier in deze zaal rond de tafel. Ik ben Christel Beyens, ik ben de Nederlandstalige moderator van deze ronde tafel en ik ben professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hallo, bonjour, je suis Olivia Nederland et je suis professeur à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Deze ronde tafel zal in twee talen plaatsgrijpen, in het Frans en in het Nederlands. En we hebben ook van elke taalrol een aantal actoren uitgenodigd die met ons gaan samen nadenken over wat de mogelijke verklaringen en mogelijke oplossingen zijn om de obstakels naar de vervroegde invrijheidstelling uit de gevangenis weg te nemen. Ik ga heel kort de mensen rond de tafel voorstellen. Ik zal altijd Nederlands spreken. Mijn collega Olivia zal Frans spreken en ook alle actoren rond de tafel spreken hun eigen taal. Van Nederlandstalige kant verwelkomen we heel graag Charlotte Klaasens. Zij is lid van de PSD en vertegenwoordigt voor een stuk hier dan ook DGEPI. Vervolgens hebben we Griet Kool. Zij is directeur in de gevangenis van Beveren. Als advocaat hebben we Saskia Kerkhofs in ons midden. Als lid van het Openbaar Ministerie van de Strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel hebben we Chantal Belfroy. En tot slot, Esther van der Straten zal hier spreken als voorzitter van de Strafuitvoeringsrechtbank Nederlandstalig in Brussel. Welkom alvast ook en voor jullie aanwezigheid en voor jullie inbreng in het debat. Et du côté francophone, nous avons la chance d'accueillir Céline Mallier, qui est directrice de l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut. Nous avons également avec nous Laurence Nibel, qui est responsable de service de la direction gestion de la détention. Comme représentante du barreau, nous avons l'avocate Justine Wentrop. Thierry Collinet est présent pour représenter le ministère public près du tribunal de l'application des peines. Et comme magistrat du tribunal de l'application des peines, nous avons avec nous Jean-François Funk. Merci à tous et à toutes déjà de votre présence et de votre participation. Oké, zoals de minister daar juist ook al in zijn inleiding zei, zullen er nog een aantal ronde tafels georganiseerd worden, waardoor we bijvoorbeeld vandaag geen mensen van justitiehuizen hier rond de tafel hebben. Dat zal later gebeuren. En ik zou er toch ook nog willen op wijzen dat een andere belangrijke actor hier ook afwezig is. Dat is namelijk de veroordeelde, de gedetineerde, hè, die het voorwerp is van de beslissingen en van het proces waar dat we het vandaag gaan over hebben. Olivia en ik, we gaan heel kort een aantal zaken voorstellen om het debat op gang te brengen. We hebben heel duidelijk gekozen om het debat vandaag te gaan organiseren rond de vraag: hoe kunnen we de obstakels van de weg van in de gevangenis naar de samenleving wegnemen of minder zwaar maken? De ronde tafel bestaat uit de volgende structuur. We zijn al een beetje later begonnen, hè, maar we hopen toch ook om de tijd op een correcte manier over iedereen, over alle deelnemers te kunnen verspreiden. Het eerste half uurtje, hè, we zijn al een tijdje verder, het eerste half uur zullen we, Olivia en ik, zullen we een aantal vaststellingen voorstellen, waarop we dan in het eerste deel van de ronde tafel en spreek alle participanten gedurende 6 minuten willen laten op reageren. Wat zijn jullie reflecties? Wat zijn jullie mogelijke verklaringen van de vaststellingen die we doen?
Dan gaan we kort pauzeren en na de pauze worden de verschillende deelnemers gevraagd om mogelijke pistes van oplossing te bespreken die enerzijds door de moderatoren zijn geformuleerd, maar anderzijds kunnen de deelnemers ook zelf een aantal pistes op tafel leggen. Oké, dus ik zal in het Nederlands heel kort een aantal data presenteren, een aantal cijfers presenteren die ons aangeleverd zijn door de data-analyst van DGEPI. En uit die data stellen we vast dat een substantieel deel van alle veroordeelden van plus 3 jaar de gevangenis op strafeinde verlaat vandaag, ofwel met een substantiële vertraging. Misschien ook belangrijk om te zeggen dat we het debat vandaag enkel gaan voeren over die groep veroordeelden die in de gevangenis verblijven met een straf totaal van meer dan 3 jaar. Nu, de cijfers die hier gepresenteerd worden, zijn cijfers die uit het systeem CitySuite zijn gehaald en die lopen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2021. Dat beperkt ons perspectief in de tijd. Hè. Dus we hebben maar een perspectief van een zestal jaren, hè, terwijl een aantal evoluties ook uiteraard al wat vroeger zijn begonnen. Maar we hebben beslist om ons te beperken tot de cijfers uit CitySuite. Nu, over welke groep gaat het hier vandaag? We zien dat er ongeveer tussen de 1900 en de 2000 mensen jaarlijks uit de gevangenis in vrijheid worden gesteld, de gevangenisstraf van meer dan 3 jaar. En we zien dat het deel, en dat is het oranje deel, dat zijn mensen die vrijkomen via elektronisch toezicht. Het blauwe deel, dat zijn de veroordeelden die rechtstreeks vanuit de gevangenis naar de samenleving gaan. En we zien dat ongeveer een groep tussen de 30 en de 35% via elektronisch toezicht naar de samenleving gaan. De cijfers die hier volgens worden gepresenteerd gaat dus over deze blauwe groep. Wat zien we? Op welke manier komen deze mensen vrij? En dan moet je vooral kijken naar de bovenste twee lijnen. Twee rijen, en ik heb ze in het gele fluo aangeduid. We gaan vandaag ons focussen op de mensen die uit de gevangenis komen bij strafeinde, enerzijds de bovenste rij, en anderzijds mensen die vanuit voorwaardelijke vrijheid in vrijstelling naar de samenleving gaan. En als je naar het tweede deel van de tabel kijkt, dan kan je zien hoe de procentuele verdeling is. En dan zie je dat het percentage strafeindes binnen de totale groep van invrijstellingen van veroordeelden van meer dan 3 jaar, dat geëvolueerd is van 55% in 2016 naar 43% in 2021. Dus we zien een lichte afname van het aantal gedetineerden dat vrijkomt bij strafeinden. Dat neemt niet weg dat 43%, wat weliswaar een afname is, dat nog altijd een groot deel is. We gaan vandaag ook nadenken, hoe hebben we die daling kunnen realiseren enerzijds en anderzijds, waarom blijft die groep zo groot? En dan de tweede lijn in fluo, boven zie je de absolute cijfers en in de tweede orde zie je de percentages. En dan zie je dat mensen die vanuit voorwaardelijk in vrijstelling naar de samenleving gaan, dat ongeveer een groep is van een 20%, 21,8% in 2021. Daaronder zie je nog een groep, VLV met oog op overleving en verwijdering. Die groep is ook redelijk groot, hè. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, dat is voor de volgende ronde tafel. Als we nu gaan kijken, wat de redenen van degenen die allemaal vrijgekomen zijn, alle gedetineerden van meer dan 3 jaar, wanneer dat zij eigenlijk in hun detentietraject vrijgekomen zijn. En dan zien we dat normaal gezien hebben we de regel 1/3 voor primair veroordeelden, 2/3 voor mensen, recidivisten.
Die een derde, twee derde regeling, die twee derde regeling is vernietigd door het Grondwettelijk Hof in 2018. Dus vanaf 2018 is de wettelijke toelaatbaarheidsdatum voor VI voor veroordeelden van meer dan 3 jaar een derde. Wat zien we uit deze tabel? Dat eigenlijk tussen de 77 en de 54%, dus we zien een daling, 54% in 2021, van alle gedetineerden die vrijkomen, dat ze meer dan 2/3 van hun termijn in de gevangenis hebben uitgezeten. Als je dan verder kijkt, dan zien we dat in 2021 bijna 70% van alle gedetineerden die vrijgekomen zijn, bijna 70% heeft minstens 2/3 van zijn straf in de gevangenis ondergaan en 85,73% heeft 1/3 of iets meer in de gevangenis uitgezeten. Dus dat wil zeggen, nee, ik zeg het verkeerd, ik wist dat ik me ging vergissen, hè. Eigenlijk uit deze tabel zien we dat 85% in 2021 langer dan 1/3 in de gevangenis heeft verbleven. Als we dan kijken naar enkel de voorwaardelijke invrijheidstelling, en dan zie je een meer genuanceerd model, dan zie je dat de groep die minstens 2/3 van de totale straf moet uitzitten, dat die kleiner is dan bij de totale groep. En dat wil zeggen dat bijvoorbeeld in 2021 33% van alle gedetineerden toch 2/3 of langer in de gevangenis heeft doorgebracht. Tot slot, hè, want de vorige cijfers zouden suggereren dat er is een daling van het aantal strafeindes. We zien dat er ook een daling is van het aantal gedetineerden dat meer dan 2/3 in de gevangenis uitzit. Terwijl deze laatste figuur eigenlijk aantoont dat de termijn, hè, de toelatings, het aantal dagen dat men langer in de gevangenis doorbrengt na de toelatingstermijn, toelaatbaarheidsdatum van VI, dat die serieus is toegenomen. En we zien een toename van, ik heb het berekend, een toename van 75% in het gemiddelde aantal dagen dat men langer in de gevangenis verblijft na de toelaatbaarheidsdatum voor VI. Stijging van 75%. In 2016 ging het om 407 dagen, namelijk ongeveer 13 maanden. En in 2021 ging het om een gemiddeld aantal perioden van 714 dagen, wat bijna 2 jaar is, gemiddelde langere periode dan de toelaatbaarheidsdatum voor VI. De linkerkant gaat over de mensen die vrijkomen via voorwaardelijke invrijheidstelling. De rechterkant gaat over mensen die vrijkomen via een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering en verwijdering. Dus die cijfers, voor wat ze ook mogen gebruikt worden, want ze geven een aantal grote trends aan. Ze zijn gebaseerd op een database die eigenlijk niet de doelstelling heeft om wetenschappelijke analyses van de cijfers te maken. Dus daar zit wel wat ruis op. Dus er zullen ook wel verschillen zijn als er andere databanken worden gebruikt. Daar is ons op gewezen. Maar ik denk dat deze cijfers wel een interessant uitgangspunt zijn om te reflecteren over hoe komt het dat er toch nog wel een substantieel aantal mensen langer in de gevangenis zitten dan de wettelijke toelaatbaarheidsdatum. En mijn collega Olivia Nederland zal nu nog een aantal resultaten van het wetenschappelijk onderzoek presenteren. Merci Christelle. En effet, après cette présentation de quelques premières données chiffrées, on va maintenant passer à un exposé des grands constats que l'on peut tirer des recherches scientifiques qui ont été menées sur la matière de l'exécution des peines privatives de liberté qui s'affichent maintenant sur le PowerPoint. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a une série. Le PowerPoint sera mis en ligne avec une bibliographie dont vous pourrez aller les consulter. Alors, la première chose qu'il est important de souligner quand on nous a demandé de
Voilà, parler des obstacles à la sortie anticipée de prison, les raisons pour lesquelles ce nombre important de condamnés vont à fond de peine. Il s'agit bien sûr d'un sujet très compliqué et les facteurs sont bien entendu multiples. Donc je pense que s'il y a bien une chose que tous les acteurs autour de la table partagent comme sentiment, c'est un peu la frustration d'avoir si peu de temps pour parler d'un sujet si complexe. Donc nous ne pourrons bien sûr qu'esquisser des tendances très générales. Deuxième remarque préalable nécessaire, c'est que nous allons aujourd'hui parler des blocages existants au sein de la procédure de l'exécution des peines, mais que bien sûr, il y a toute une série de facteurs macro qui interviennent et influencent fortement cette matière. On pense notamment au contexte socio-économique, au manque d'investissement dans l'aide sociale à l'intérieur et à l'extérieur de la prison, à la politique de séjour qui impacte bien entendu le fonds de peine, on en parlera à la prochaine table ronde. À l'aspect punitif aussi de la société. Le ministre l'a mis en exergue dans son mot introductif. Il y a une responsabilité importante pour les décideurs dans cette matière, qui est une matière très sensible et fort médiatisée. Et donc, on sait qu'il y a ici une grande pression sur les acteurs de l'exécution des peines. Ceci étant dit, parmi les facteurs, pardon, je reviens sur moi, parmi les facteurs que les recherches ont mis en exergue sur les problématiques à l'intérieur de la procédure de l'exécution des peines, revient souvent l'idée qu'il existe des ponts manquants, des missing links, des déconnexions, dans un autre terme. Donc, nous avons pointé quatre déconnexions que nous voudrions déposer ici pour le débat. La première, c'est la déconnexion entre le stade de la fixation de la peine et le stade de l'exécution des peines. Plusieurs recherches ont mis en évidence que les juges qui fixent et prononcent les peines méconnaissent le droit de l'exécution des peines, avec comme conséquence le fait que des peines toujours plus longues sont prononcées dans l'idée que les peines ne seraient pas exécutées. Deuxième constat, c'est que la loi de principe définit les objectifs de l'exécution des peines, la réparation, la préparation de la réinsertion, mais aussi la limitation des effets dommageables de la détention, alors que nous ne trouvons pas dans le code pénal une définition des objectifs de la peine. Ceci pourrait bien sûr changer avec la réforme du code pénal. Deuxième grande déconnexion, c'est la déconnexion entre le statut juridique interne et le statut juridique externe, qui ont pourtant été pensés comme un tout. Le statut juridique interne, c'est tout ce qui a trait à l'intérieur de la prison, et le statut externe, tout ce qui concerne la préparation de la sortie, la transition entre l'intérieur et la sortie de prison. Cette déconnexion, on peut la constater à deux stades. Au stade des établissements pénitentiaires tout d'abord, l'idée était de dire on travaille à la réinsertion depuis le premier jour de l'incarcération, grâce notamment au plan de détention. On sait malheureusement que ce plan de détention est rarement mis en place avec l'effet combiné de la surpopulation carcérale et d'une insuffisance d'effectifs du personnel sur le terrain, avec pour conséquence qu'on commence à travailler sur le plan de réinsertion avec un effet retard. Au niveau des tribunaux de l'application des peines, le législateur voulait un équilibre entre les assesseurs venant du milieu pénitentiaire et du milieu des services externes et des maisons de justice, équilibre qui n'est pas atteint puisqu'il y a très peu d'assesseurs qui viennent des services externes et des maisons de justice. On constate également dans la jurisprudence des tribunaux de l'application des peines que la loi de principe et notamment les objectifs assignés à l'exécution des peines sont peu mobilisés. Troisième grande déconnexion, c'est celle qui concerne les acteurs. Le processus de décision au niveau de l'exécution des peines est un processus très complexe parce que c'est un processus de décision collectif. Le dossier est véritablement construit par l'intervention des différents acteurs. Il va se construire avec différents documents et les recherches ont mis en évidence le poids fondamental du rapport du service psychosocial dans ces dossiers qui constitue véritablement un outil pour tous les acteurs. Pour cette raison, ce rapport est systématiquement demandé dans l'ensemble des dossiers, alors que la loi ne le prévoit pas et que ce service n'est donc pas outillé humainement pour répondre à une telle demande. Autre constat, c'est que les permissions de sortie, les congés pénitentiaires sont vraiment essentiels pour faire avancer le processus de sortie. Les recherches ont aussi mis en évidence que ces différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de décision n'ont pas les mêmes logiques d'action, avec néanmoins une prédominance de la logique d'action de la gestion du risque de récidive. Enfin, tous ces acteurs sont interdépendants comme un jeu de domino, si bien que quand le dossier bloque au niveau d'un acteur parce qu'un document manque ou autre raison, eh bien on a l'effet grain de sable et tout est bloqué.
Un processus décisionnel collectif signifie donc qu'on a un grand besoin de concertation. La loi prévoit d'ailleurs une structure de concertation qui n'est cependant pas activée. Alors, il existe hein, au niveau local des concertations entre certains TAP, certaines maisons de justice, etc. Mais cette concertation est insuffisamment institutionnalisée. Et l'une des conséquences de cette concertation insuffisante, c'est ce qu'on appelle l'effet d'anticipation d'attente supposée, qui va venir créer des filtres. Concrètement, ce que cela signifie, c'est que certains condamnés n'arriveront jamais devant le tribunal de l'application des peines parce qu'on les aura découragés de le faire, que ce soit au niveau du service psychosocial, du greffe ou d'autres étapes, encore même des simples agents, qui vont dire, voici les attentes des tribunaux de l'application des peines, tu ne les remplis pas. Et enfin, dernière déconnexion que l'on peut pointer, c'est celle qui concerne les conditions pour obtenir une sortie, pour obtenir une modalité, et les conditions à respecter une fois qu'on est dehors, une fois qu'on s'est vu octroyer une modalité d'exécution de la peine. En ce qui concerne tout d'abord les conditions pour obtenir une sortie, pour obtenir une modalité d'exécution de la peine, celles-ci sont critiquées pour parfois être déconnectées du public cible. Ces conditions, ce sont notamment le fait d'avoir un plan de réinsertion, de ne pas présenter des contre-indications comme le risque de récidive, le risque d'importuner les victimes, mais d'autres conditions se sont ajoutées. Donc il faut avoir un bon comportement en prison, il faut s'activer, il faut collaborer avec le service psychosocial, etc. Ainsi, dans la majorité des tribunaux de l'application des peines, on exige du condamné qu'il n'ait pas de sanctions disciplinaires, qu'il ait un bon comportement en prison, mais aussi qu'il soit actif. C'est lui qui doit faire sa demande. C'est lui qui doit faire son plan de réinsertion et solliciter les aides nécessaires pour mettre cela en place. Alors que les conditions de détention sont peu propices à favoriser une autonomie, une activation des condamnés. Et certaines conditions de détention peuvent conduire des condamnés à subir un grand nombre de tensions qui peuvent expliquer certains comportements indisciplinés. Deuxième exigence à l'égard des condamnés, c'est qu'ils doivent parler, ils doivent se livrer, ils doivent être transparents à l'égard du service psychosocial, du tribunal d'application des peines ou encore des assistants de justice. Il faut qu'ils fassent preuve de réflexivité, donc ils doivent pouvoir être critiques, être capables d'une remise en question sur leurs faits, exprimer des regrets, se responsabiliser. À nouveau, nous sommes face ici à une population qui n'a pas nécessairement la maîtrise de la parole. On est souvent dans des contextes de détention peu propices à cette exigence de retour sur soi. Et ce qu'on entend souvent de la part des condamnés, c'est qu'il est très compliqué pour eux de se livrer à des personnes du service psychosocial qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas le même style de vie. Et ils considèrent généralement ça comme une intrusion dans leur vie privée. Le problème, c'est que ce blocage au niveau de la parole avec le service psychosocial peut conduire à un blocage de la procédure si ça empêche la rédaction du rapport. Le condamné considère aussi que la jurisprudence de la progressivité est une véritable mise à l'épreuve. Il faut d'abord passer par les permissions de sortie et les congés, puis réussir un bracelet électronique pour enfin obtenir une libération conditionnelle. Bien qu'il y ait des pratiques divergentes entre les TAP, c'est une tendance générale que l'on peut constater, alors que le bracelet électronique est compliqué pour toute une série de condamnés qui ne pourront pas alors, en cas d'échec du bracelet, avoir la libération conditionnelle. Dernier point sur ces conditions pour obtenir une sortie, elles sont également critiquées pour être déconnectées par rapport à la réalité de la société. On exige des plans de réinsertion tout à fait concrétisés, c'est-à-dire qu'il faut avoir un logement, une occupation qui consiste en un travail ou une formation généralement, et des suivis qui permettent d'encadrer le risque de récidive, suivis psychosociaux, suivis financiers, suivis psychiatriques, qui doivent être immédiatement accessibles à la sortie de prison. À nouveau, nous sommes face à une population qui est socio-économiquement vulnérable, dans un contexte de crise sociale et économique, et ces exigences, dans un tel contexte, sont souvent difficiles à remplir. Ce que les condamnés pointent souvent, c'est la différence entre la temporalité judiciaire et la temporalité du dehors. Comment signer un contrat de bail? Comment signer un contrat de travail quand on ignore la date de sortie? Alors, à nouveau, il faut souligner que certains TAP permettent une certaine souplesse à l'égard de certaines conditions, mais c'est à nouveau une tendance générale que l'on peut constater. Une des conséquences, c'est que certains plans de réinsertion proposés seront inauthentiques ou intenables, et en cas d'échec, ce sera de la responsabilité du condamné. Pour terminer, au sujet des conditions à respecter dehors, quand le condamné s'est vu
octroyer une modalité d'exécution de la peine, il va avoir toute une série de conditions à respecter. Bon, mettre son plan de réinsertion en place, donc travailler, faire sa formation, mais aussi ne pas fréquenter d'ex-détenus, ne pas consommer d'alcool ou de stupéfiants, ne pas se rendre dans des débits de boissons. Ce que les condamnés mettent souvent en exergue, c'est que ces conditions, elles sont trop nombreuses, elles sont souvent incertaines, floues, elles paraissent parfois irréalisables par rapport à leur réalité. C'est notamment l'interdiction de contact avec des ex-détenus qui est souvent discutée aux audiences, notamment parce que pour les détenus, ça envoie le message que finalement, on restera à jamais un ex-détenu, qu'on ne sera jamais réinséré vraiment. Un autre point important qu'il faut souligner, c'est que les condamnés soulignent combien les modalités sont difficiles à vivre. Être en libération conditionnelle, être en bracelet électronique, ça n'est pas facile. Ça génère des difficultés, du stress, parfois de la souffrance pour soi-même mais aussi pour ses proches. Alors que dans le discours judiciaire, les modalités restent souvent considérées comme une faveur, une chance. La conséquence, c'est que les modalités ne seront demandées que s'il reste suffisamment de temps entre l'octroi de la modalité et le fond de peine, et qu'une mauvaise expérience en modalité peut influencer, en cas de révocation ou de nouvelle peine, la décision d'aller à fond de peine. Ce qui ressort de toutes les recherches et qui est particulièrement intéressant pour notre débat, c'est qu'on constate une activation plus grande des acteurs au fur et à mesure qu'on approche le fond de peine, avec un assouplissement des exigences des TAP à mesure que le fond de peine approche, parce qu'on sent le risque d'une démotivation et Dieu l'ait fait trop tard. Pour conclure, la conséquence de toutes ces déconnexions, c'est que les condamnés le disent quasiment tous, le processus pour obtenir une sortie, il est long, il est lent, il est incertain. Ils utilisent les termes de parcours d'obstacles, de mise à l'épreuve et surtout l'incertitude qui est le plus difficile à vivre, car on préfère une peine déterminée qu'une peine indéterminée. Ils expliquent par exemple qu'une décision de rejet, avec parfois la possibilité d'introduire une nouvelle demande seulement après un an, comme générant des sentiments très négatifs après dans la détention. Il y a des réactions de souffrance, parfois de colère, qui peuvent aboutir à un abandon, voire une résignation, et donc à la décision d'aller à fond de peine. En conséquence de tout ça, on comprend que d'une part, il y a les condamnés qui se découragent, et donc qui vont à fond de peine parce qu'ils se découragent face à ce processus long, lent, et ces exigences qui leur semblent insurmontables. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que vont également à fond de peine, c'est ce qui ressort des recherches, les condamnés qui sont isolés. Donc, de la thèse de Luc Robert, il ressort par exemple que les condamnés qui n'ont pas de proches ou de famille pour les soutenir ont plus de chances d'aller à fond de peine que les autres. De même que les condamnés vulnérables qui ne sont pas en mesure de s'activer. Vont également généralement à fond de peine les condamnés qui n'ont pas de titre de séjour, mais à nouveau ce n'est pas l'objet de la discussion de ce jour. Et enfin, ce qu'on remarque aussi, c'est que les condamnés dont le profil était justement celui d'un profil à risque de récidive important sont aussi ceux que l'on n'ose pas libérer. Et là, je reviens à ce que j'ai souligné au début de l'exposé, c'est que nous sommes dans une matière où il y a une prise de risque, le ministre l'a aussi souligné, il y a une responsabilité importante pour les acteurs qui fait que ces dossiers-là, eh bien, ça représente parfois trop de risques de prendre une telle décision. Et donc, on peut terminer sur cette question-là, n'est-ce pas? Finalement, ces profils-là, ces condamnés isolés, ceux pour qui il y a un risque de récidive, qui auraient pourtant le plus besoin de sortir avec l'accompagnement et le contrôle que permet la libération conditionnelle. J'en ai terminé pour cet exposé sur les grands constats que l'on peut tirer des recherches scientifiques qui ont été menées sur la question. À nouveau, il s'agit bien de tendance générale, les pratiques sont divergentes dans les établissements, les pratiques sont divergentes dans les TAP, mais ça va, je pense, permettre de nourrir le débat. Et nous allons maintenant pouvoir passer la parole aux différents acteurs de l'exécution des peines autour de la table. Ok, dankjewel Olivia. Misschien ook nog even aangeven dat de mensen die online volgen vragen kunnen posten in de chat. De vragen worden bekeken tijdens de pauze en dan zullen we zien in welke mate er tijd over is of er mogelijk is om op vragen die vragen mee te nemen. Maar na de pauze worden de vragen vanuit de chat niet meer bekeken omwille van praktische reden. Omdat ik zie dat er toch al een aantal mensen een aantal zaken hebben gepost in de chat. Maar dan gaan we nu het woord geven aan de mensen rond de tafel, de actoren die vanuit hun eigen praktijk hopelijk
zeker een aantal interessante reflecties kunnen maken vanuit hun eigen ervaringen. En we gaan de tour organiseren vanaf de weg die een dossier aflegt. En de eerste persoon of de eerste actor die betrokken is bij het hele invrijstellingstraject, en het is al aangegeven het belang van het PSD-verslag, is de PSD. Dus ik geef heel graag het woord aan Charlotte Claeysens van de PSD. Bedankt. Ja, er is ons inderdaad gevraagd geweest om na te denken op basis van onze praktijk wat mogelijke verklaringen kunnen zijn voor de huidige vertragingen. Nu, het is belangrijk om vooraf toch wat toelichting te geven over onze werking. De PSD, de psychosociale diensten, wij werken conform de dienstinstructies. Dat is in feite dus de weergave, de schriftelijke weergave van onze methodologie, onze manier van werken. En die dateert van 2017. Is op wetenschappelijke basis is gevalideerd geweest door onze hiërarchie. En de bedoeling van die dienstinstructies, dat was al toen al een snellere doorstroom te bekomen en een komaf te maken met onnodig diepgaande onderzoeken van bepaalde categorieën van veroordeelden. Dus we waren er toen al mee bezig. Dat diepgaande onderzoek is niet langer de standaard. Het is niet langer de regel. Dat wil zeker niet zeggen dat er ingeboet is aan kwaliteit, in tegendeel. Wij leggen de focus op de analyse van de criminogene domeinen binnen het RNR-model, om zo ook meteen de link te maken naar het posttherapeutisch werkveld, die ook dit model vaak hanteert. Er is dus wat een stijlbreuk met hoe het er vroeger aan toe ging, systematisch diepgaand onderzoeken. Ja. Maar ook vandaag de dag, anno 2022, merken wij wel dat beslissingsnemers en ook externe diensten nog te vaak soms verwachtingen hebben inhoudelijk naar ons verslag toe, verwachtingen die niet onmiddellijk stroken met onze dienstinstructies. Er worden soms delictspecifieke risicotaxatie verwacht, afname van bepaalde persoonlijkheidstesten. Ze druisen in tegen de dienstinstructies. Als we erop ingaan, neemt dat zeer veel tijd in beslag. Dat is tijdrovend, dat is niet op 1, 2, 3 geklaard. Dat is een verklaring of toch wel een element die vertraging in de hand kan werken. Als PSD begeleiden wij de gedetineerden naar de reïntegratie toe. Ja? Wij doen dat wel op maat van gedetineerden. Het reclasseringsplan is, er is geen succesformule. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat is op maat van de gedetineerden realistisch. We proberen daar echt naar te streven. Ja? Er wordt gekeken naar de pijlers, woonst, opvang, dagbesteding, begeleiding of behandeling. En dat zijn nu bevoegdheden van onze collega's van de Vlaamse gemeenschap. Wat stellen wij vast? De vraag is veel groter dan het aanbod. Ja? Ook meer en meer mensen in de vrije samenleving hebben hulp nodig, doen beroep op het hulpverleningsaanbod en er is geen parallel circuit voor gedetineerden. Wij melden mensen aan omdat zij nood hebben aan een behandeling of aan een begeleiding. Die aanmeldingen gebeuren zeer inefficiënt met momenten. Er is het voorbeeld als het gaat over verslavingsproblematiek. Dat is die aanmelding bij diensten moet systematisch bij Tandem gebeuren, via Tandem gebeuren. Tandem is een goed aanmeldingspunt, een centraal aanmeldingspunt, maar het is onderbemand en dat leidt tot een bottleneck. Het duurt soms zeer lang tegen dat de veroordeelde iemand van Tandem ziet, omtrent zijn problematiek, en dan moet de persoon dan nog georiënteerd worden naar een geschikte voorziening, intake, à la limite, maar dan komt men op... Dan botst men op wachtlijsten en die zijn soms enorm lang. Dat is een realiteit en dat leidt tot een immense vertraging in de dossiers. Het is hier aangehaald bij de presentatie. Ik kijk terug naar onze dienstinstructies. Daarin wordt aangegeven de theorie van Andrews en Bonta. In een notendop, we moeten inzetten op de hoge risicoprofielen. Ja? Begeleiding, ondersteuning, omkadering moet gebeuren bij die mensen waarvan men meent dat er een hoog recidivegevaar is. En laat het nu net daar zijn dat we zoveel moeilijkheden ervaren bij een oriëntering naar een geschikte setting voor een problematiek. Woonst. De PSD heeft een maatschappelijke enquête nodig. Bij de uitwerking van het reclasseringsplan, wij willen zien, is het opvangmilieu geschikt? Een huisbezoek is daarbij een zeer belangrijk instrument, omdat dat nuttige informatie geeft. Het is een noodzakelijk instrument om de reclassering uit te werken. En wij zien een vertraging in de doorstroom, effectief, omdat de termijnen van ontvangst van een maatschappelijke enquête alsmaar langer worden. En wij kunnen vaak niet verder. Zeker als het vanaf PV, vanaf congé, kunnen wij niet verder zonder dat belangrijk instrument.
Een ander heikel punt voor de PSD is de beschikbaarheid van de dossierinformatie. De dossierstudie is het vertrekpunt voor de PSD van een reclasseringsdossier. Ja? Het is vaak wachten op vonnissen, op arresten, op gerechtelijke bundels, noem maar op. GEO zou hier aan tegemoetkomen en wij kunnen die digitale golf binnen justitie alleen maar toejuichen, maar ze is bijzonder belangrijk. Ik weet, vandaag gaat het over straffen plus 3 jaar, maar de categorie 2 tot 3 jaar is ook in uitvoer. En ook hier binnen deze categorie zal de PSD nog korter op de bal moeten spelen. Er zijn nog kortere termijnen te respecteren, dus die element, die dossierinfo moet echt wel op korte tijd beschikbaar zijn. Wij kijken in eigen boezem, de PSD. Voor alle duidelijkheid, onze dienstinstructies zijn het resultaat van in eigen boezem kijken van hoe kunnen wij meer gaan werken, de need to know, het relevante eerder dan het good to know, zoals vroeger. En wij zijn eigenlijk nooit gestopt met onze werking in vraag te stellen. Zo zijn wij momenteel ook bezig van hoe kunnen wij de verdeling van binnenkomende dossiers efficiënter gaan organiseren met oog op een vlottere doorstroom. Ten slotte wil ik ook wel zeggen, onze PSD, dat zijn mensen die hebben beroepseer. Die hebben echt wel beroepsernst, verantwoordelijkheidszin en die zijn doorgaans bijzonder menselijk. Ja. Ze willen kwaliteit afleveren. Zo'n verslag, dat is iets van lange adem. Dat is veel. We hangen af van mensen. Het is hier zo net gezegd geweest. We hangen af van samenwerkingspartners, noem maar op. Men kan geen geschikte recidieve beperkende reclassering uitwerken door enkel naar de persoon in kwestie te kijken. De verwachtingen zijn hoog. Het is een belangrijk instrument dat ondertekend moet worden door een PSD. Het is een verslag dat zeer lang meegaat, door verschillende actoren in het werkveld lange tijd wordt gebruikt. Dus het moet van kwaliteit zijn. En wij botsen op vertragingselementen. Bedankt om te luisteren. Merci beaucoup pour votre intervention. On me demande en régie que les acteurs parlent un peu plus doucement pour les traducteurs. Je donne maintenant la parole à Madame Mali. Merci. Déjà, je voudrais revenir sur la donnée des chiffres qui était présentée, notamment avec l'impact que peut représenter les dates d'admissibilité 1/3, 2/3. Moi, comme directeur, et dans le contact que l'on doit avoir avec une personne en détention pour préparer le dossier, je me suis rendu compte qu'avec les changements qu'il y avait eu, on passe à 2/3, puis on revient à 1/3, était déjà aussi quelque chose de compliqué à expliquer, tant dans l'approche de ce que doit être la durée de la détention avant la préparation du dossier, mais aussi à déconsidérer le cumul de différentes condamnations possibles. Parce que le dernier passage, où on est revenu à 1/3, beaucoup de détenus ont dit « Ah, pourquoi vous voulez revenir sur les dossiers précédents ?» La loi est revenue à 1/3, donc je suis comme un condamné primaire. Donc ça, on n'en discute plus. Alors que la réalité de la difficulté qui doit être abordée avec le détenu est tout autre. Donc ça, ça pose aussi une difficulté au sein même de la détention et pendant la détention, c'est où on a des visions différentes avec la personne qui est détenue et il faut se raccorder et ça prend du temps aussi. Donc ça, c'est une première chose. Ça a un impact important aussi sur la lecture des différents professionnels qui sont concernés par les dossiers et où je trouve que là, peut-être, il nous manque finalement des moments ou des lignes directrices où les visions sont communes. Donc, le détenu, le directeur, le service psychosocial, le TAP, finalement, on a chacun une lecture individuelle sur base de nos pratiques ou de la manière dont on a envie de faire notre travail, mais ça ne reste qu'une lecture individuelle. Or, le sens même de la détention, de la peine et du projet de réinsertion est quelque chose qui me semble devoir être traversé de manière structurelle. Il y a une responsabilité sociétale derrière ça, et donc on n'est pas que dans l'approche personnelle dans laquelle on investit. Autre donnée aussi que je voulais souligner, toutes les déconnexions qui ont été présentées représentent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Et donc je trouve important que ça puisse être entendu aussi, qu'il faut oser travailler ensemble, donc nous, les différents acteurs, pour que justement on puisse exprimer les différentes lectures que l'on a,
même si elles sont opposées, même si elles sont critiques, parce que c'est là qu'on va donner du sens au travail que l'on fait avec les personnes en détention. On est quelque part tous main dans la main autour d'une personne qui est en détention. Et ce n'est seulement que quand on se tient les mains tous ensemble, plutôt que de tirer la corde d'un côté ou de l'autre, que l'on peut avancer pour quelque chose qui a du sens. Donc voilà, je trouve que là, il y a beaucoup de matière à discussion, beaucoup de matière à critique aussi, de la manière dont on fait notre travail et notre métier quand on est de près ou de loin lié à l'exécution des peines. Okay. Dankjewel voor deze heldere toelichting. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Griet Kool, gevangenisdirecteur in Deveren. Ja, dankjewel. Wat ik doorheen de jaren gezien heb, is dat vooral de populatie waarmee we geconfronteerd worden veel complexer is geworden. De problematieken waarmee we geconfronteerd worden zijn veel complexer en vragen ook een andere aanpak dan dat een aantal jaar geleden mogelijk was. Ik denk dat we dat ook in de maatschappij zien, dat hulpverleners aan veel meer het hoofd moeten bieden. En dan staan wij voor obstakels. Wij zien dat het heel moeilijk geworden is om gedetineerden nog als ze naar buiten gaan, de gepaste hulp te kunnen bieden die dat ze eigenlijk nodig hebben. Wij stuiten op heel lange wachtlijsten. Wij stuiten op opnamestops. Wij zien dat bepaalde steeds meer organisaties quota hebben naar de forensische populatie. Wat maakt dat die doorstroom niet meer mogelijk is? Er moeten alternatieven gezocht worden, die zijn er niet altijd. En de gedetineerden blijven effectief in de gevangenis in afwachting van een geschikte opvang, een geschikt reclasseringsplan. Die risicoanalyses die worden inderdaad met heel veel menselijkheid, denk ik, maar ook veel zorg voor de maatschappij gemaakt. Die zijn er niet voor niets, die zijn er niet om naast ons neer te leggen, die zijn er effectief om iets mee te gaan doen. Wat ik jammer vind, is dat wat ik zie, wat ik vaststel, is dat we met de reïntegratie pas kunnen starten op het moment dat gedetineerden naar buiten gaan. De middelen binnen de detentie zijn zo beperkt. Ik zie heel veel diensten van Vlaamse gemeenschap heel erg hun best doen om tegemoet te komen aan de vragen, aan de noden die er zijn. Maar het volstaat op dit moment gewoon niet. Ik heb een gevangenis van 322 gedetineerden en ik denk dat ik misschien 20 uur per week een therapeut heb voor 300 lang gestraften. Dat is te weinig. Dat zijn allemaal lange termijn trajecten die hebben. Velen hebben nood aan een therapeutische start. En dat is er niet. Als gedetineerde verslaafd bent in een gevangenis, dan proberen medische diensten daar heel erg hun best te doen om daaraan tegemoet te komen. Maar de oorzaak, de foam, daar wordt heel weinig mee gedaan, omdat er geen hulpverlening is. Dat zou moeten kunnen ingezet worden op inderdaad op talenten, op valkuilen. Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we daar mee van start? Zodanig dat op het moment dat ze naar buiten gaan, dat ze een stuk voorbereid zijn op de maatschappij. Dat ze niet meer dat lange traject in de zorg of in de hulpverlening moeten gaan afleggen. Wij zien inderdaad, wat Charlotte daarnet al zei, wij zien vertragingen bij de PSD, omdat adviezen heel zorgvuldig geargumenteerd worden, omdat wij geconfronteerd worden met onderbemanningen in onze PSD's, overbevolkingen in heel veel gevangenissen en moeilijke reclasseringsplannen. Nu, als het gaat over de stijging van het aantal strafeinden, van het gedetineerd die strafeinden doen, moeten we toch ook wel de bedenking maken dat we geconfronteerd worden met vrij veel recidieven. Ik zie weinig gedetineerden in de gevangenis komen, of ik heb ze doorheen de jaren weinig in de gevangenis zien komen
met de visie van ik kom binnen en laat mij voor de rest van mijn tijd gerust en ik ga strafeinde doen. Zo zijn er weinig, dat is een heel beperkt aantal. Velen hebben kansen gekregen, zijn naar buiten gegaan, hebben het geprobeerd, worden terug binnen, worden terug opgesloten omwille van nieuwe feiten, omwille van schending van voorwaarden. Ze moeten terug opnieuw beginnen. Ze geraken inderdaad gedemotiveerd omdat het allemaal zo moeilijk te realiseren is. En plots staan ze voor nog 2 jaar voor strafeind, een proeftermijn van 5 jaar die boven mijn hoofd hangt. Ik kies ervoor om gewoon naar strafeinde te gaan en de gemakkelijke weg te kiezen. En het klopt inderdaad dat we op dat moment dat er net iets sneller geschakeld wordt en dat er waar dat we van, ik zeg maar als voorbeeld, waar dat we van een residentieel plan komen, wat de richtlijn nodig is aan een residentiële behandeling. We zien strafeind aankomen en we gaan inderdaad kijken van oké, hoe kunnen we dat nog enigszins gaan beperken en toch schakelen naar iets van ambulante hulpverlening of zo. Dat zijn zeker een aantal zaken waarmee dat we geconfronteerd worden in gevangenissen. Procedures zijn soms moeilijk, lopen soms wat vertraging op, waardoor er niet kort kan ingespeeld worden op vragen van de buitenwereld ook, hè. Te kort inspelen op een aanbod van een werkgever is vaak niet mogelijk. Dankjewel. En ik hoor hier complexere dossiers, wachtlijsten buiten, gebrek aan ondersteuning binnen. Dus dat zijn toch heel belangrijke lijnen die ik al bij verschillende mensen heb horen terugkomen. Merci, effectivement, il y a déjà des éléments qui reviennent. Maintenant, on va donner la parole à Laurence Nibel de la DGD. Merci. Je vais essayer de ne pas répéter ce que mes collègues viennent de dire. Je ne peux que les rejoindre, évidemment. Mais je voudrais insister justement sur un problème qui est récurrent et je pense vraiment dans toutes les prisons, sauf peut-être à Bruxelles où la réalité est un peu différente, mais c'est vraiment le manque d'offres des services des communautés. Et je pense que c'est vraiment le point de départ pour développer des pour aider les détenus à développer des projets de réinsertion, à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire à l'extérieur, etc. Et je constate à la DGD, c'est souvent ce qui nous manque, ce qui nous permet de relativiser les risques et d'imposer des conditions, etc., pour leur permettre de sortir. C'est vraiment qu'ils aient initié, qu'ils aient élaboré des projets à partir de l'intérieur de la prison. Donc ça, c'est un aspect, l'offre, mais aussi la place qu'on reconnaît à ces services dans la prison. Je pense qu'on ne les traite pas suffisamment comme des collègues à part entière. Et ils sont souvent relégués à une position inférieure, surtout lorsqu'il y a des grèves, des mouvements, des problèmes de manque de personnel, etc. C'est souvent leurs activités qui tombent en premier. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit bien calculé, en tout cas, tant pour les agents que pour le climat au sein de la prison. Et puis pour la sortie, le processus de sortie. Un autre aspect, et toujours en lien avec cette offre et la réinsertion au final, c'est les logiques dans lesquelles se trouvent les détenus. Je pense qu'un détenu en prison, il va développer ce qu'il faut pour sortir, puisque son premier objectif, c'est sortir de la prison. C'est pas forcément, il n'est pas dans une temporalité, comment éviter la récidive. Comme nous, ce qu'on recherche, lui, il veut juste sortir. Et je comprends, hein, c'est tout à fait humain. En principe, c'est à la limite, c'est même très sain qu'il veuille sortir de prison. Maintenant, une fois dehors, il est confronté à la réalité, hein, ce n'est pas aussi facile que ce qu'il avait envisagé dans la prison. Et la société ne les soutient pas forcément dans cette logique de réinsertion dans ces démarches. Et on constate souvent qu'à peine sorti, toute cette réinsertion, tout ce plan de reclassement qui avait été construit et sur lequel le TAP s'est basé pour octroyer une modalité, tombe à l'eau et est rediscuté, requestionné. Donc, je me dis, à un moment donné, peut-être qu'on en attend beaucoup trop du détenu au départ de la prison et qu'on doit réfléchir à
une autre manière, une autre temporalité dans justement dans ce qu'on demande aux détenus et lui permettre d'opérationnaliser ce plan de reclassement via une modalité et de ne pas attendre qu'il ait un contrat de travail, enfin que tout soit déjà sur papier picobello, alors que c'est seulement quelques mois plus tard qu'il aura peut-être cette modalité d'exécution de la peine. Je pense qu'aussi qu'on a un travail à faire vis-à-vis de la société. Alors, la réinsertion, c'est une responsabilité individuelle du détenu, mais il doit être acteur de sa réinsertion. Mais la société devrait, et on devrait, nous, enfin, tous les acteurs de terrain, sensibiliser beaucoup plus la société sur cette responsabilité sociétale aussi de soutenir les détenus dans leur réinsertion. Et puis, je vais, pour terminer, pour clôturer mon propos, juste peut questionner peut-être comment on voit la réinsertion. On pense toujours plan de reclassement, un logement, un suivi thérapeutique, parce que c'est important de réfléchir sur ce parcours, sur ce qui nous a amené là, et une formation ou un emploi. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment ça, la clé de la réinsertion. Et je pense, personnellement en tout cas, qu'il faut voir cette réinsertion de manière beaucoup plus large. Et pour moi, la réinsertion, c'est que le détenu, enfin, et le futur ex-détenu, hein, le citoyen, finalement, trouve une place dans la société et une place que la société va pouvoir lui reconnaître et qui va être acceptée par tous. Et pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus tenable sur le long terme que juste un travail ou une formation, un logement et un suivi. Voilà, je vous remercie. Dankjewel. We gaan nu over naar een andere actor, de advocatuur. En ik geef graag het woord aan Saskia Kerkhoffs, die hier aanwezig is om iets te vertellen vanuit de Nederlandstalige advocaten. Dankjewel. Ik heb daarnet nog bij de intro gehoord dat meneer de minister het sneller, menselijker en straffer wil. En ik heb ook gelezen bij de ontwerpen van het nieuwe strafwetboek dat daar de rode draad is bij de opstelling ervan, dat het transparant en coherent moet zijn. En het is daar juist eigenlijk al aan bod gekomen dat daar echt wel het schoentje knelt, hè, voor iemand die binnenkomt in de gevangenis. Het enige wat hij weet is de dag dat hij binnenkomt in de gevangenis. En voor de rest is alles flou artistiek. Wat het verdere parcours gaat zijn, is totaal onduidelijk, is ook behept met heel veel hindernissen en heel moeilijk om effectief het bos door de bomen te zien. Niet alleen van dag één, maar over heel het traject van detentie. En ik hoor het effectief ook van andere actoren dat gedetineerden op dat ogenblik echt wel ontmoedigd geraken gaandeweg het parcours. Ze doen een aantal vragen die worden afgewezen om praktische redenen of omwille van vertragingen binnen dossiers, omdat er onvoldoende tijd geweest is, omdat men nog wacht op verslagen. Dus om allerlei redenen zien zij heel veel obstakels tegemoet en ze raken gaandeweg gedemotiveerd. En zoals al gezegd, dan kiezen ze soms liever voor de duidelijkheid van: ik ga voor einde straf, dan weet ik tenminste op dat ogenblik kom ik vrij, in plaats van nog tijd en energie te moeten steken in een heel ander traject. Dus ik denk dat de vraagstelling eigenlijk meer naar essentie moet gaan: hoe kunnen we strafuitvoering simpeler houden en duidelijker en coherenter, zodanig dat het voor iedereen, in de eerste plaats voor gedetineerden, een duidelijk beeld geeft. En ik ben heel blij om de bevindingen van professor Nederland te hebben gehoord in de intro ook, want het is eigenlijk heel veel wat wij zelf ook op terrein ervaren. De déconnexion entre acteurs, dat is effectief iets wat we in de praktijk zien, hè. Vaak is er, ja, ik ga niet zeggen een omgekeerde beweging die zich voordoet, maar om tot een VI te komen, moet men al een uitgangspermissie krijgen. En daar is het ook soms wachten op een aantal verslagen en stuit men op een aantal praktische problemen. En een bijkomend ding dat ik daar wil zeggen, is dat we vaak dan de discrepantie zien tussen gedetineerden die beschikken over een bepaald netwerk waar dat ze buiten de muren op kunnen terugvallen, die ook meer financiële middelen hebben. En voor die personen is het traject naar de weg naar buiten eigenlijk iets gemakkelijker
dan voor mensen die er helemaal alleen voor staan en die op zich al in een ergere precaire situatie zitten dan andere gedetineerden. Ik denk dat dat ook echt iets is waar dan mee aan de slag moet gegaan worden, dat gedetineerden van binnen de muren eigenlijk al op een gelijkwaardigere voet moeten kunnen behandeld worden dan, ja, als daar al het verschil komt, dan zitten ze vaak met problemen. Maar praktisch om daar een aantal oplossingen voor te vinden, denk ik dat het traject naar buiten simpeler en duidelijker moet gehouden worden. Maar dat er bijvoorbeeld ook een aantal heel eenvoudige ingrepen binnen de gevangenismuren al tot een aantal vergemakkelijkingen gaan komen. Vroeger weet ik dat er een aantal permanenties waren van de VDAB, van het OCMW, waardoor dat er van binnen de muren al een aanspreekpunt was voor gedetineerden om een aantal praktische problemen op te lossen. Vandaag de dag zitten we met videoconferenties die eigenlijk dankzij COVID bij iedereen ingeburgerd zijn en die eigenlijk vrij kosteloos zijn en heel praktisch zijn. Maar waarom daar niet mee aan de slag gaan in plaats van hele moeilijke trajecten voor uitgangspermissies te krijgen? Organiseer het gewoon bij zeer beperkte middelen binnen de gevangenismuren, dat gedetineerden contacten kunnen leggen van daaruit met OCMW's, met eventueel sociale huisvestingsmaatschappijen of met VDAB. Ik denk dat echt al een heel groot probleem kan oplossen en heel praktisch kan zijn met weinig middelen ook. En dan heb ik nog een laatste opmerking. Wat dat er ook gezegd is in verband met de déconnexion entre fixation en exécution des peines. Ik denk dat daar ook een heel groot probleem ligt. Dat is dat we vandaag de dag echt wel een discrepantie zien tussen de magistraten die vonnissen uitspreken en het traject dat erna komt. Ik denk, en ik begrijp dat ook, magistraten die gefrustreerd zijn over een uitspraak die ze gedaan hebben of een beslissing die ze in eer en geweten genomen hebben over een zaak daar heel veel tijd en moeite in gestoken hebben, om dan achteraf een heel ander traject te zien dat zij helemaal niet voor ogen hadden. Ik denk dat het misschien ook een oplossing is om een deel van die strafuitvoering te leggen bij de magistraat die de beslissing genomen heeft ten gronde. Ik zeg niet dat de strafuitvoeringsrechtbanken moeten afgeschaft worden of hun nut niet hebben. Dan verstaat u mij verkeerd. Maar ik denk wel dat het toekomt aan de magistraten die een beslissing genomen hebben om daar ook zelf deel een verantwoordelijkheid in te nemen. En dat we dan misschien tot juistere straffen ook gaan komen. In plaats van nu de omgekeerde beweging die we zien, meer en meer bevoegdheden die naar de strafuitvoeringsrechtbanken gaan. Ik denk dat dat de frustraties bij magistraten op terrein alleen maar groter gaat maken. Dat is het. Dankjewel. De oplossingen en mogelijke pistes van oplossingen gaan we na de pauze ook nog verder over spreken. Maar hartelijk dank om al een aantal heel interessante suggesties te doen. En effet, merci déjà pour ces premières propositions. On continue avec le barreau et je passe la parole à l'avocate Justine Ventro. Bonjour, merci. Alors, il y a déjà beaucoup de choses très, très intéressantes qui ont été dites aujourd'hui et je me suis retrouvée, moi, par rapport à ma pratique de ma profession dans des constats qui ont été développés aujourd'hui par Olivier Nederlein. Et je pense que moi, le premier constat par rapport aux obstacles vraiment et aux modalités qui sont octroyées de plus en plus tardivement, je pense que c'est le débordement dont fait l'objet l'ESP, c'est que finalement, j'ai le sentiment que les investigations psychosociales débutent à partir du moment où le détenu devient admissible. Et en fait, les investigations psychosociales débutent trop tard et on accumule du coup un retard puisqu'on est admissible, les investigations débutent ou ont à peine débuté parce que le service psychosocial a été focalisé sur toute une série de dossiers au préalable dont on leur a demandé plus et plus et donc ils n'interviennent qu'à partir du moment où les demandes sont introduites. Et je pense que ça crée un retard considérable. Cette mise en mouvement, je pense, devrait se faire et s'effectuer depuis le début. Ça, je pense que c'est un des premiers constats que moi, je peux faire dans ma pratique professionnelle. Par rapport à ces difficultés, je pense aussi
dans les dossiers dangereux, dans les dossiers plus délicats, il y a parfois une volonté de gagner du temps avec cette crainte de dire ouh là là, si ce genre de personnage se retrouve à l'extérieur, vers quoi on va aller? Et donc, on impose de plus en plus finalement de conditions qui ne sont pas prévues dans les lois ou dans les demandes. D'abord, ben ça vient des demandes de PS, de congés sollicités auprès de la DGD, avec beaucoup d'imagination quant aux demandes encore à effectuer. Tiens, on a fait l'enquête sociale externe, mais elle est un peu trop ancienne. On va demander une actualisation. Donc, on va attendre. Et puis, une fois que l'actualisation est là, oui, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus une actualisation psychiatrique. Donc, on va aller demander au psychiatre, mais le psychiatre soin, il est débordé, donc il n'est pas disponible avant de nombreux mois. Et puis, on se retrouve finalement avec des demandes en cascade, comme ça, avec des détenus qui se découragent, parce que c'est des dossiers complexes dans lesquels on ne voit pas comment évoluer. Et donc, on demande de plus en plus, et toute une série de choses qui ne sont pas prévues, je pense. Dans la loi ou dans finalement, c'est les pratiques qui s'installent et qui imposent de plus en plus. Je pense qu'il y a aussi des jurisprudences, des TAP et les demandes des DGD. On impose souvent une réflexion déjà en intramuros, une réflexion qui est parfois impossible avec des conditions de détention qui sont celles des détenus, qui ont été celles des détenus et qui sont pointées. Particulièrement en Belgique, comme des conditions pas toujours humaines, mais aussi avec le Covid, avec l'absence de contact avec les familles, ils ont déjà dû gérer tellement de choses que leur demander un travail d'introspection, déjà qu'ils sont en général incapables de faire eux-mêmes, et avec du personnel manquant, c'est compliqué. Donc souvent, on leur demande un travail déjà débuté intramuros avec un personnel, enfin, ou en tout cas du personnel qui est manquant. On demande un plan finalisé, mais finalement, avec des services d'aide aux détenus débordés, avec des listes d'attente faramineuses, avec des services qui ne sont pas disponibles pour les détenus. Pas de possibilité d'avoir Internet en cellule. Et donc, ils ne peuvent pas être acteurs eux-mêmes des demandes à effectuer directement. Je vais aller moi-même sur le site Internet, je vais taper, je vais me renseigner, je vais donner des coups de téléphone. Parce que finalement, les contacts téléphoniques sont hors de prix. Ils travaillent un petit peu, mais les rémunérations qu'on leur octroie sont dérisoires. Et donc, ils n'ont pas toujours les moyens financiers que pour passer les coups de téléphone, que pour débuter l'indemnisation des parties civiles qui est imposée par les TAP quand on se présente devant eux. Et donc, en fait, on leur demande un plan déjà finalisé et pas des perspectives comme le prévoit la loi. Et ça, je pense que c'est dû à la jurisprudence globale imposée par les TAP. Et on se retrouve finalement avec des détenus qui sont dans l'impossibilité de répondre à ce qu'on leur demande. Ça, je pense que c'est les raisons pour lesquelles les modalités sont octroyées de plus en plus tardivement. Et par rapport aux détenus qui vont de plus en plus à fond de peine, je pense qu'on est face à des détenus souvent qui sont dans un désespoir où ils se disent: je n'ai plus rien à perdre. Et là, on est à la question, et je trouve que ça se rejoint par rapport à ce délai d'épreuve. Et eux font le calcul coût-bénéfice. Il reste un an, je ne vais pas aller m'embêter avec un délai d'épreuve plus long. Moi, je vais purger la fin de ma peine et je serai quitte après. Et finalement, on ne m'embêtera pas avec des conditions toujours plus restrictives. Et donc, on en arrive finalement avec toutes ces attentes auxquelles ils ne peuvent plus répondre. Et je pense que c'est pour ça qu'on en arrive à finalement des fins de peine beaucoup plus importantes et des modalités octroyées plus tardivement. Je voilà ce que ma pratique, en tout cas professionnelle, me fait penser. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar de actoren die al in een later stadium betrokken worden in het beslissingsproces, hè, wanneer er al heel wat vertraging is opgelopen. En dan komen de dossiers bij de strafuitvoeringsrechtbank terecht. En ik geef graag het woord aan mevrouw Belfroy, Openbaar Ministerie bij het Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. Dankjewel. En vooral dank voor de uitnodiging aan deze ronde tafel. Ik ga vandaag spreken vanuit mijn ervaring als Openbaar Ministerie bij de Strafuitvoeringsrechtbank in Brussel. Maar ik heb in aanloop naar deze vergadering ook gesproken met de collega's van Gent, Antwerpen, Brussel, Mons. En ik dank u ook voor hun input.
Er is al veel gezegd, maar ik denk als we vandaag spreken over de strafuitvoering en de strafuitvoeringsrechtbank, dan is het belangrijk dat we de strafuitvoeringsrechtbank ook erkennen in haar specifieke rol. Niet de rechtbank van de loutere strafuitvoering, maar de rechtbank die de sociale reïntegratie van de veroordeelde bevordert. Binnen een wettelijk kader en op basis van een op maat uitgewerkt reclasseringsplan waarbij de veroordeelde als persoon centraal staat en waarbij elke actor verbonden aan de SURP zijn rol opneemt. De rol van het Openbaar Ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank is erover te waken dat de reïntegratie, de sociale reïntegratie van de veroordeelde op een veilige manier gebeurt. Met een zo goed mogelijke inperking van het recidivegevaar. En dit is niet alleen het belang van de veiligheid van de maatschappij, maar dat zijn we ook verschuldigd aan de slachtoffers. Of de sociale reïntegratie zal lukken, dat is uiteraard vanuit detentie moeilijk in te schatten. De sociale reïntegratie gebeurt buiten. Maar we zijn ervan overtuigd dat de eerste stap naar een veilige reïntegratie start met een grondige voorbereiding in de gevangenis. En die grondige voorbereiding in de gevangenis die houdt voor ons onder meer in dat er inderdaad een voorafgaand onderzoek gebeurt door de PSD met een degelijk uitgevoerde risicotaxatie en dat er inderdaad een concreet reclasseringsplan wordt uitgewerkt waaruit de perspectieven van de veroordeelde blijkt. Die gegevens, dat zijn de gegevens waarover wij als Openbaar Ministerie willen beschikken om met kennis van zaken ons schriftelijk advies naar de rechtbank te motiveren. Een tweede belangrijke bron voor ons advies naar de rechtbank is het moment van de zitting. Op de zitting horen wij en zien wij de veroordeelden en krijgen wij de extra informatie om een meer globale visie op de persoon van de veroordeelde te krijgen en ook meer zicht te krijgen op zijn persoonlijkheid, op zijn problematieken, op zijn noden, op zijn behoeften en bezorgdheden. En al deze elementen samen vormen dan de basis voor het toekennen van de aangepaste strafuitvoeringsmodaliteiten en ook voor het opleggen van de aangepaste bijzondere voorwaarden. Want hoe meer geïndividualiseerd die bijzondere voorwaarden zijn uitgewerkt, hoe meer steun ze omkadering bieden aan de veroordeelde om herval te vermijden, maar hoe meer de veroordeelde geneigd zal zijn om ze te respecteren en om te vermijden dat wij de veroordeelde binnen de kortste keren naar de gevangenis moeten herroepen. Ik heb inderdaad ook naar de uiteenzetting van professor Nederland gehoord en ik heb ook begrepen dat bepaalde categorieën voor hen het moeilijk is om een concreet reclasseringsplan voor te leggen. Maar ik denk ook dat de SURP juist degelijk wel rekening houdt met de noden van die sociaal zwakkere veroordeelden. En dat er op het niveau van de strafuitvoeringsrechtbank hoge eisen gesteld wordt of grondig onderzoek gebeurt, vind ik, mijn zins is niet kan beschouwd worden als een obstakel naar de invrijstelling. Integendeel, die grondigheid is juist nodig, omdat de vervroegde invrijstelling van veroordeelden nu eenmaal een delicate kwestie is die de publieke opinie beroert en die zeker als het fout loopt en de veroordeelde nieuwe strafbare feiten pleegt. Wat is nu volgens mijn ervaring de mogelijke verklaringen van vertraging in de procedure? Ik denk niet dat de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank op zich vertragend werkt. Als het dossier klaar is, komt binnen de korte termijn wordt er een vonnis uitgesproken en zullen we dat ook op korte termijn uitvoeren. Maar meestal is het dossier niet klaar op het moment dat de veroordeelde verschijnt en vraagt hij uitstel. Dus de oorzaken van die vertragingen liggen eerder in de voorbereidende fase voorafgaand aan de verschijning voor de strafuitvoeringsrechtbank. En we hebben de oorzaken vandaag ook al gehoord. Dus de PSD, die toch een belangrijke rol speelt in de voorbereiding van het dossier en die kwaliteitsvol werk aflevert, die zijn onderbemand en die moeten dringend ondersteuning krijgen. De eerste stap in het uitwerken van een reclasseringsplan
zijn uitgaansvergunningen een penitentiaire verloven, maar als ze geweigerd worden, blokkeren ze het dossier. En dan kom ik op het pijnpunt dat iedereen kent, dat zijn de ellenlange wachtlijsten van het zorgaanbod van de Vlaamse gemeenschap. Dus als we zoeken naar oplossingen in die voorbereidende fase, en het is hier al uitvoerig aan bod gekomen, dan zullen we meer moeten inzetten op een betere persoonlijke begeleiding van de veroordeelde intramoers vanaf dag 1. Moeten er meer middelen vrijgemaakt worden op het aanbod van de begeleiding intramoers en extramoers te versterken om continuïteit in de begeleiding te verzekeren en zullen ook een bepaalde procedures binnen de gevangenis moeten herbekeken worden. Ik ga hier stoppen, maar ik wil toch ook wel aankaarten, en dat komt vanmiddag naar bod, dat is de automatisering van de toekenning van de SURP. Daarover is heel veel kritiek gekomen vanuit het Openbaar Ministerie en ik zal dat ook vanmiddag aankaarten. Ik wil toch eindigen met een positieve noot. Dat is dat alle actoren hier aanwezig heel hard werk leveren om de sociale reclassering te doen slagen. Dat is ook allemaal het doel dat wij voorop stellen. Wij willen dat de veroordeelde slaagt in zijn reclassering, ook het Openbaar Ministerie. Dank u wel. Merci pour votre intervention. On va maintenant donner la parole à l'autre membre du parquet autour de la table, monsieur Collinet. Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit par ma collègue néerlandophone, parce que pour cela, nous nous rejoignons tout à fait. Les positions sont identiques de deux côtés de la frontière linguistique. Il faut bien se souvenir que le ministère public, lui, comme elle l'a dit, remet un avis écrit. Cet avis écrit reprend les différentes éléments qui ont été communiqués tant par la prison que par le détenu. Donc, nous avons ce rapport SPS, et là, je ne peux que rejoindre ce qui a été dit déjà par à peu près tous les acteurs, c'est le manque criant de disponibilité du SPS. Non pas que celui-ci ne veuille pas intervenir, mais c'est qu'il ne peut pas intervenir. Il y a un manque de moyens évident, nous l'avons tous les jours. Quand nous demandons des rapports, on nous dit « oui, mais bon, il y a la queue, il faudra le faire en fonction des disponibilités ». Et donc, quand on dit ce qui a été dit, effectivement, on a l'impression que le plan de réinsertion n'est établi qu'à partir du moment où la personne est dans les conditions pour obtenir une mesure, eh bien, je crois que c'est exact. Alors que, logiquement, le détenu, dès qu'il entre, devrait être pris en charge et que l'on voit déjà quels sont ses besoins pour qu'on ait le temps d'examiner les possibilités de réaliser ses désirs, en fin de compte, on le laisse mariner gentiment dans la prison, le temps qu'il puisse obtenir, qu'il soit dans les conditions, ne fût-ce que pour obtenir une permission de sortir ou un congé pénitentiaire. Et donc là, il y a effectivement une distanciation et une déconnexion, effectivement, entre les besoins du détenu et les possibilités qu'on lui offre. D'autre part, il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que s'il faut préparer le détenu à se retrouver dans la société, il faut aussi préparer la société à ce que le détenu puisse réintégrer son sein. Et ça, je crois que ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, on doit le constater, dans certains cas, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très important, c'est la presse. Et nous avons connu, dans certains cas, des détenus célèbres qui avaient du mal à se réinsérer simplement parce que dès qu'ils étaient dans les conditions pour être libérés, la presse revenait à la charge en disant « cette personne va être libérée, est-ce qu'elle peut l'être ? C'est honteux !» Je reviens pas sur des noms, mais vous savez très bien, aussi bien dans les presses francophones que néerlandophones, il y a quelques détenus célèbres qui ont fait l'objet d'une campagne de presse qui était pour moi assez scandaleuse. Et ça, il y a aussi cette réintégration, elle doit être vue par tous les acteurs, également par l'acteur qui est la société. Qui représente le mieux la société au sein du TAP, c'est le ministère public. Le ministère public, il est là pour se dire, est-ce qu'il y a un risque également que si cette personne sort, elle représente un danger pour l'un ou pour l'autre. Et ce danger doit être examiné, entre autres, par le SPS. Mais c'est vrai que plus tardivement, le SPS pourra remettre un avis. Et plus tardivement, eh bien, les conditions pourront être remplies. Autre chose aussi, c'est
le fait de la qualité, quand je dis la qualité, la condition du détenu, c'est-à-dire ce détenu, plus le détenu est isolé, et il peut être isolé de différentes manières, il peut être isolé aussi bien parce qu'il est seul, il y en a, qui n'ont aucune famille, ou bien dont la famille les a rejetés. Nous avons des cas à 18 ans, on voit à 16, 17 ans, eh bien ils ont eu affaire au tribunal de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on les a foutus à la porte de chez eux. Et ce n'est pas avec la famille qu'ils obtiendront un quelconque soutien. Donc ils sont tout seuls. Alors tout seuls, plus arriver en prison et ne pas avoir d'aide d'un milieu qui est plus professionnel, eh bien ça ne va pas donner grand-chose de bon. D'autres sont isolés à cause de la langue. On n'a pas peut-être pas examiné cette question-là, mais dans les détenus qui parlent une des deux langues nationales, je ne vais même pas parler de l'allemand, on ne représente pas nécessairement la majorité. Devant le TAP, moi, je constate parfois que plus de la moitié des personnes qui se présentent sont d'une origine étrangère et n'ont pas nécessairement une intégration dans la société belge suffisante. Parce qu'ils sont arrivés, ce sont des personnes qui n'ont même pas de statut légal en Belgique. Et donc, ils se retrouvent à devoir présenter un plan pour sortir, parce qu'ils ont le droit au séjour. C'est ça aussi, il faut bien se dire. On dit, mais ils sont étrangers, donc on n'a qu'à les renvoyer chez eux. Ah non, la loi dit bien, s'ils ont le droit au séjour, ils doivent faire l'objet du traitement de tous les condamnés normaux, enfin, entre guillemets, normaux, donc qui ont la citoyenneté belge et qui ont le droit au séjour. Or, ils se retrouvent avec le fait que, eh bien, j'ai droit au séjour, mais mes moyens sont très limités. Et je crois qu'effectivement, il faut réfléchir au fait que la personne qui est présente devant le tribunal, pour moi, doit avoir et je crois que nous sommes tous d'accord au niveau du ministère public, doit avoir un plan de reclassement qui est suffisamment fondé. Il n'est pas nécessairement, il peut ne pas être nécessairement complet, mais il ne peut pas partir de rien. Mon exemple, c'est si on disait automatisation de la libération conditionnelle, ben c'est très simple, c'est-à-dire vous sortez d'abord et puis on voit si ça marche. Eh bien, vous prenez un exemple, vous prenez quelqu'un qui ne sait pas nager, vous le mettez dans l'eau et puis vous voyez, s'il se noie, ah, c'est raté, donc retour case, berge ou prison. Sinon, eh bien voilà, il sait nager, tant mieux, il se débrouille tout seul. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions. Ok. Dankjewel. Ik heb hier nog een aantal nieuwe dingen gehoord. Hè. De belangrijke rol van de samenleving, van de pers, maar ook het concept de geïsoleerde gedetineerde, omwille van zijn taal die hij niet spreekt. Hè. Dit is een groep waar we het in een latere ronde tafel nog verder gaan over hebben, maar het is ongetwijfeld een belangrijke groep en ook een complexe groep om mee aan de slag te gaan. En dan de laatste actor die we hier rond de tafel zitten hebben, zijn de voorzitters van de strafuitvoeringsrechtbanken. En ik geef heel graag het woord aan mevrouw Esther van der Straten. Zij is voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Brussel. Dank u wel. Van de Nederlandstalige Strafuitvoeringsrechtbank in Brussel. Maar ik wens u ook voor eerst te bedanken om samen hierover in gesprek te kunnen gaan vandaag. Dat is een mooie gelegenheid. De insteek en de titel voor deze ronde tafel verbaasden ons wel een beetje van hoe de obstakels naar invrijheidstelling wegnemen, of met andere woorden, hoe de gevangenispopulatie zo laag mogelijk houden. Zou de insteek voor iedereen die met justitie bezig is niet moeten zijn, hoe zouden we de samenleving zo veilig mogelijk kunnen houden? En op welke wijze wordt er zo goed mogelijk naar een veilige reïntegratie zonder recidive gewerkt? Want er werd hier in het begin gezegd, de veroordeelden zitten niet aan tafel, maar ook de slachtoffers zitten hier niet aan tafel. En in heel de inleiding heb ik geen woord over de slachtoffers gehoord en eigenlijk enkel mijn collega van het Openbaar Ministerie heeft iets over de slachtoffers gezegd. Maar indien we mensen goed terug en veilig terug naar de samenleving kunnen sturen, gedetineerden, dan zal dit minder recidive geven en vanzelfsprekend op termijn ook de druk op de gevangenissen doen verminderen. Aangezien de inleiding van 30 minuten uiteenlopende cijfers bevatte, probeer ik op de 6 minuten spreektijd die ik krijg daar toch ook iets over te zeggen. Goed nieuws is in ieder geval dat uit de getoonde grafiek 4 blijkt dat sinds 2016 het aantal gedetineerden dat tot aan het einde van hun straf in de gevangenis blijft ieder jaar gedaald is.
met in 2021 een cijfer dat 12% lager ligt dan in 2016. Het jaar 2020 blijkt daarin de enige uitzondering, maar dat was de periode met de strengste coronamaatregelen, wat al onmiddellijk een verklaring is. In grafiek 6 zien we ook een dalende trend voor gedetineerden die later dan 1/3 en 2/3 van hun straf vrijkomen. Voor die laatste zelfs een daling van 21% tussen 2016 en 2021. Maar wat dat we ook daarbij zien is dat een deel al vrijkomt voor 1/3 van hun straf. Toch ook zeer opmerkelijk. Wanneer we het gemiddeld aantal dagen in vrijheidstelling na de vi-datum bekijken, blijkt dan weer inderdaad een toename en vooral de laatste jaren is er een stijging. Spijtig genoeg blijkt uit dit cijfer niet hoeveel van die genoemde gedetineerden ook ooit effectief een vi-verzoek heeft ingediend bij een strafuitvoeringsrechtbank, laat staan tijdig een verzoek heeft ingediend. Hoeveel daarvan een enkel band hebben, want mensen onder elektronisch toezicht worden hier ook als gedetineerden gezien en sommigen kiezen voor een enkel band tot aan hun einde van straf om geen extra proeftermijn te krijgen. We zien ook niet wie er roepen geweest is. Daarom is het niet eenvoudig om conclusies te trekken uit deze cijfers. Een duidelijk element is wel dat de strafonderbrekingen tijdens corona, met terugroeping naar de gevangenis nadien, na corona, en corona zelf, waardoor het moeilijker was om aan de reclasserings te werken, onder meer een rol speelde in die stijging van die laatste 3 jaar. Herinner u dat ook reeds voor corona een vorm van strafonderbreking, dat werd dan verlengd penitentiair verlof genoemd, werd toegestaan door de minister, waardoor de gedetineerde week in, week uit de gevangenis mocht verlaten. En waardoor een deel van de gedetineerden het uitwerken van een plan met voorwaarden niet langer genegen was of uitstelde en slechts na het terugschroeven van die maatregel aan de reclassering begon te werken. Dan is hier vandaag ook al gezegd, die gedetineerden waarvan gezegd wordt dat zij kiezen voor strafeinde. Dan stelt zich de vraag, is dat wel zo? Kiest die hele groep bewust voor strafeinde? Of zijn er daar, wat dat collega ook al gezegd heeft, niet, al dan niet anderstaligen bij die hun weg niet vinden of te laat vinden? Afhankelijk van de gevangenissen waarin wij als strafuitvoeringsrechtbank zetelen, vertellen gedetineerden ook dat ze niet altijd tijdig op de hoogte waren dat ze een aanvraag konden doen of dat ze niet wisten hoe. En hier kom ik al onmiddellijk tot een verbeteringssuggestie, namelijk de strafuitvoeringsrechtbank in de mogelijkheid stellen om een advocaat toe te wijzen aan de veroordeelde, zoals dit ook voor de KBM kan, voor de interneringen. Dat de procedure op zichzelf langzaam onzeker en bureaucratisch zou zijn, en dat is hier ook al aangehaald, en vooral dat de verwachtingen die aan de veroordeelde worden gesteld erg hoog gegrepen zouden zijn, die stelling gaat niet op. Het gaat er toch immers om dat die gedetineerden opnieuw een plaats in de maatschappij kunnen innemen. Wel, de meeste gedetineerden hebben hun woonst, werk en inkomsten verloren als gevolg van hun detentie, als ze die voordien al hadden. En wordt er ook niet aan de gemiddelde burger gevraagd om een vast adres, een zinvolle dagbesteding en inkomsten te hebben en indien nodig ook nog een medische of een psychologische begeleiding voor zijn problematiek? Dat is de normale gang van zaken en dat kan toch niet beschouwd worden als te hoge eisen. Ik hoor hier daar straks iemand zeggen, de gedetineerde moet ook een plaats in de maatschappij vinden. Absoluut. De basis voor erkenning en het vinden van een plaats in de maatschappij is juist dat er aan die basiselementen gewerkt wordt. De voorwaarden met elke gedetineerde worden ook grondig doorgesproken in de gevangenis door een zeer bekwame en gedegen PSD-werking. En ook ter zitting wordt dat met de gedetineerde overlopen, het liefst in het bijzijn van een advocaat. Het zou misschien nuttig kunnen zijn om te bekijken of de procedure van aan het verzoek tot aan de toekenning verkort zou worden, maar het zou wel een vooruitgang zijn als het tijdschema van de huidige procedure in elke gevangenis gerespecteerd zou kunnen worden, wat helaas niet overal het geval is. De wet schrijft voor dat de strafuitvoeringsrechtbank een zaak op zitting zet, niet na het verzoek, maar na ontvangst van de adviezen. Omdat wij bijvoorbeeld vaststelden in een bepaalde gevangenis dat het verzoek van een gedetineerde langer dan de wettelijke 4 maanden duurde, soms zelfs tot meer dan een jaar, eer wij het advies krijgen van de directeur, hebben wij besloten om toch een zitting te organiseren binnen de termijn waarop de adviezen binnen zouden moeten zijn, ook al waren ze niet binnen. Dat is een kleine remediering die wij zelf al hebben doorgevoerd, maar ter zitting moeten die adviezen er dan wel zijn. Mijn collega heeft het al gezegd, anders moet er uitstel gevraagd worden, want dat is nu eenmaal wettelijk voorgeschreven.
Heel interessant is ook het onderzoek waar hier in de inleiding niet naar verwezen werd, namelijk van Maas en Tange uit 2014, waar ook het gemiddeld aantal dagen overschrijdingstermijn van de VI onderzocht geweest is, maar dan per gevangenis. Daaraan koppelt die studie meteen een reeks verklaringsfactoren. En heel recent, verleden academiejaar, was er ook een masterstudie van mevrouw Deborah de Becker van de KU Leuven, waarbij alle geledingen, PSD, directie, parket, SURP, bevraagd werden over de overschrijdingstermijn. Eén oorzaak die in die studies genoemd wordt, zijn de detentiecondities. Een collega van het Franstalige Openbaar Ministerie heeft het al gezegd, in bepaalde gevangenissen. Gedetineerden die in gevangenissen bezig zijn met overleven in plaats van te werken aan een reclasseringsplan. De PSD-medewerkers in die gevangenissen merkten ook op dat die slechte condities ook leiden tot minder bereidheid om met hen te werken aan een reclasseringsplan. Bovendien is het ook logisch dat de specifieke populatie van een gevangenis invloed heeft. Een gevangenis waar veel levenslang gestraften met levensdelicten en zedendelicten worden opgesloten, vergt een andere risicotaxatie- en reclasseringsstudie dan een arresthuis waar minder lang gestraften verblijven. Bijvoorbeeld recidiverende verkeersdelinquenten die aan meer dan 3 jaar detentie komen wegens de optelsom van vonnissen. Gevangenisstraf van 20 jaar verdient een andere benadering dan een straf van iets meer dan 3 jaar. Waarvan de veroordeelden ook al na 1 jaar in aanmerking komen. Ook benoemd in die studie was het gegeven dat binnen detentie sneller zou kunnen worden gestart met de werking aan reclassering. En dat hebben hier ook de actoren aan tafel al gezegd, dat men niet wacht tot wanneer de datum van VI nadert. Dat de begeleiding zowel intern als extern opgevoerd kan worden. Dat er detentie- en transitiehuizen zouden komen. En last but not least, en dat is hier ook al gezegd, extra financiële middelen. Nederland wordt soms bij ons als voorbeeld opgevoerd, maar het rapport van de Europese Commissie voor de Efficiëntie van Justitie publiceert dat in 2020 in Nederland 125,31 euro per inwoner werd uitgegeven aan justitie, terwijl dat in België 87 euro per inwoner ofwel 1/3 minder was. Ons land besteedt 0,22% van zijn bruto binnenlands product aan justitie, heel wat minder dan het Europees gemiddelde van 0,35%. Ook de straffeloosheid in België heeft een invloed. Je krijgt hierdoor een andere gevangenispopulatie bij de plus 3 jaar, waarbij het merendeel al veel gerecidiveerd heeft met een hardnekkige problematiek, waardoor natuurlijk het werken aan de reclassering tijd kan vergen. We hebben hier de korte straffen nooit uitgevoerd, dus we weten niet wat dat zou geven. Alleszins minder recidive. Ik lees nog voor uit een verslag van onze zitting deze week. Momenteel boet meneer zijn 8e detentie uit, doch het betreft zijn 1e opsluiting die nu een impact lijkt te hebben. En dan tenslotte, ja, ik ga het afsluiten, ik ga zeker afsluiten. Een bezorgdheid die wij vandaag met jullie delen, is dat wij vinden dat eigenlijk iedere veroordeelde zijn wettelijk recht moet kunnen uitoefenen op de mogelijkheden die de wet voorziet vandaag. Zoals een VI, dat is een wettelijk recht. En dat hij dus de kans moet krijgen om een reclasseringsplan uit te werken. En dat hij daar ook in zou worden bijgestaan. Dat zodra dat dit in orde is, dat hij in de tijdsvoorwaarden is voor VI, er eigenlijk geen dag langer voorbij zou mogen gaan dan nodig, opdat hij gecontroleerd de maatschappij ingaat. En ik heb hier al 1 voorstel, namelijk het toewijzen van een advocaat genoemd daar juist. Ik heb nog heel wat constructieve voorstellen, maar ik heb begrepen dat wij die mogen formuleren in het tweede deel van deze ronde tafel na de pauze, zodat dit straks volgt. Hartelijk dank. Inderdaad, dank u wel. Merci pour toutes ces informations intéressantes. Et pour terminer ce premier tour de table, nous donnons la parole à Jean-François Fung du tribunal francophone de Bruxelles. Voilà, merci. Mais d'habitude, dans ce genre de moment, le dernier qui prend la parole le dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, ce qui veut dire implicitement qu'est-ce que je pourrais bien rajouter d'original. Alors, je vais commencer par 2 petits moments d'impertinence. Je dirais qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal à ce que le ministre de la Justice nous invite à parler de la surpopulation carcérale et de ce que nous pourrions bien faire pour la limiter, à un moment où entrent en vigueur des dispositions qui ont été prises par le législateur et l'exécutif, dispositions qui vont très certainement augmenter la surpopulation carcérale. Vous voyez bien ce dont je parle, à savoir les dispositions sur les peines de 3 ans ou moins. Deuxième petite impertinence, je pense qu'au cours de ces dernières années, la mesure ou la décision qui a eu l'effet le plus significatif sur la surpopulation carcérale, elle n'a pas été prise par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif, elle vient du pouvoir judiciaire.
à savoir la réduction de la date d'admissibilité pour les récidivistes de 2/3 à 1/3. Ça a eu pour conséquence que beaucoup de détenus ont vu leur date d'admissibilité ramener, diminuer de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et qu'ils ont donc pu sortir plus rapidement. Et je n'ose imaginer quelle serait la situation aujourd'hui dans les prisons, alors où on nous parle d'une surpopulation énorme, quelle serait la situation si cette décision qui vient du pouvoir judiciaire n'avait pas été prise. Il a fallu que des avocats argumentent devant les tribunaux, il a fallu que des tribunaux décident qu'effectivement il y avait une discrimination, il a fallu des décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Alors, pour ce qui est donc de la question qui est posée, moi j'ai envie de prendre aussi d'autres chiffres que ceux qu'on nous a montrés aujourd'hui, qui sont aussi significatifs, qui vont un peu dans le même sens que ce qui a été présenté, mais sur une période plus longue. Ce sont des chiffres qui émanent des rapports de la DGEPI et qui montrent que, effectivement, il y a une évolution très significative, à savoir une diminution importante du nombre de libérations conditionnelles et une augmentation importante du nombre de détenus qui vont à fond de peine. 2007, la première année des TAP, 381 détenus vont à fond de peine. 2017, 692. On est donc quasiment dans le doublement du nombre de détenus qui allaient à fond de peine. Autre constatation, c'est le fait que le nombre de passages en surveillance électronique avant de bénéficier de la libération conditionnelle est aussi en augmentation très considérable, 184 en 2007, 467 en 2017. Je pense que ces chiffres doivent nous interpeller, nous, les acteurs judiciaires, et montrent, me semble-t-il, qu'effectivement, il y a un problème, à savoir que les tribunaux sont de plus en plus restrictifs dans l'octroi de mesures aux personnes condamnées, ce qui amène effectivement cette situation qui n'est pas acceptable, me semble-t-il, que de plus en plus de détenus vont à fond de peine et donc ne vont pas bénéficier d'un accompagnement, d'un cadre, de conditions pour leur sortie de prison. Alors, je pense qu'on doit aussi, je pense que chaque acteur doit balayer devant sa porte, mais les tribunaux aussi. Et donc, il me paraît qu'il y a deux points, enfin, plusieurs points, mais en tous les cas, deux sur lesquels nous pourrions nous interroger. Le premier point, ben, on a déjà parlé, c'est celui de la progressivité. C'est devenu une espèce de... voilà, de règles générales que plus personne ne discute, il faut de la progressivité. Donc on doit passer par les PS, puis les congés, puis éventuellement la surveillance électronique, et puis la libération conditionnelle, peut-être la détention limitée entre-temps. Et on ne remet plus en question cela, alors que peut-être ces étapes ne sont pas nécessaires. Je pense par exemple à un dossier où on a quelqu'un qui est en couple depuis... 10 ans, 15 ans, il y a un couple tout à fait stable, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument passer par des congés pénitentiaires? Ça n'est pas absolument impératif. Et cette progressivité exigée a effectivement l'effet que, dont on a parlé ici pas mal, du découragement du détenu. C'est effectivement le parcours du combattant, hein, cette affaire. D'abord aller au SPS, il faut espérer avoir un avis positif du SPS, puis il faut espérer avoir un avis positif du directeur pour les permissions de sortie, puis il faut espérer avoir une décision positive de la DGD pour les permissions de sortie, et puis on recontinue pour les congés, puis devant le TAP aussi. Tout ça crée du découragement.
Deuxième point sur lequel, me semble-t-il, nous devrions nous interroger, c'est effectivement nos exigences. Est-ce que nous ne sommes pas trop exigeants par rapport à des gens qui sont quand même enfermés? Il est très compliqué de trouver un travail quand on est enfermé, c'est déjà compliqué quand on ne l'est pas. Est-ce que nous ne sommes pas trop exigeants de demander des plans complètement finalisés? Il faut absolument une inscription à une formation, il faut absolument un boulot, il faut absolument un suivi thérapeutique. Enfin, il me semble que peut-être un peu plus de souplesse pourrait amener les détenus à plus facilement introduire une demande de mesure qui pourrait alors effectivement les amener à finaliser leur plan de reclassement une fois qu'ils sont sortis. Mais je vois que mon temps de parole est terminé, donc je vais en rester là. Dank u wel. We zijn, de eerste tour de table is achter de rug. Ik heb hier al heel veel interessante dingen gehoord. Ook de laatste interventie, dank u wel, meneer Funk, om ook de langere termijn evolutie even onder de aandacht te brengen. Ook het feit van de weg der geleidelijkheid, hè, of dat die altijd noodzakelijk is, dat haakt ook al aan de vragen of de voorstellen, hè, die er na de pauze op de tafel zullen liggen. Ik heb ook gezien dat er een aantal vragen of commentaren in de chat zijn gepost. We gaan die rustig bekijken en we gaan ook bekijken in welke mate dat daar ook kan op gereageerd worden nog door de mensen rond de tafel. Het is 4:15. We zijn een beetje over tijd, maar toch niet heel veel. En ik wil zeker ook de deelnemers bedanken voor hun discipline. Het is heel moeilijk om over zo'n complex probleem kort te zijn. Ik stel voor dat we 10 minuten pauzeren, zodanig dat we om 4:05 terug kunnen beginnen, waardoor we hopelijk toch ook voldoende tijd hebben om wat te reflecteren over de mogelijke oplossingen. Er zijn er een aantal al geopperd, hè. Maar ik denk dat er zeker ook nog veel andere mogelijkheden zijn. Dus we gaan om binnen 10 minuutjes beginnen we terug om 4:05. We hebben nog een uur om te spreken over een aantal voorstellen die zo dadelijk door Olivia zullen voorgesteld worden. We hebben ook de chat samen bekeken en we zien dat er vooral ook een aantal interessante voorstellen worden gedaan die hier zeker ook een aantal dingen zijn al aangeraakt, maar ik ga toch de essentie van een aantal commentaren heel kort meegeven. Ook voor de sprekers, moesten ze dat willen integreren in hun 5 minuten die iedereen nog zal krijgen, dan zou dat wel fijn zijn. Er is gevraagd naar het detentieplan. In welke mate wordt er medewerking gegeven aan de gedetineerden om dat detentieplan te kunnen goed uitwerken? Er is ook gewezen op het belang van de samenwerking met de gemeenschappen. De vraag is gesteld over de tewerkstelling, dat er weinig gesproken is over tewerkstelling, het belang van tewerkstelling, ook tewerkstelling in de samenleving, maar ook in de gevangenis, in het kader van de afbetaling van de burgerlijke partij. Er is ook er wordt gewezen op het belang van de duidelijkheid van de invrijstellingsdatum en er wordt ook verwezen naar het Nederlandse systeem. Er wordt ook gewezen op er leeft een vrees dat het uitvoeren van de straffen tot en met 3 jaar en door de strafuitvoeringsrechter, dat voor grote vertraging zou zorgen, omdat die eerder zouden behandeld worden. Er is ook de vraag naar een sociaal zekerheidsstatuut voor de gedetineerden, zeker in het kader van de tewerkstelling later. Hoe zwaar weegt de stem van de gedetineerden in het uitwerken van de verschillende plannen en ook als men voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnt? En dan is er nog een laatste voorstel dat ik ook graag wil meegeven. Er is het voorstel om strafvermindering toe te kennen omwille van goed gedrag in de gevangenis of indien een gedetineerde een succesvolle opleiding zou gevolgd hebben. En dus er wordt op gewezen op het belang van het nuttig invullen van de detentietijd. Oké, dat was in een vogelvlucht wat er in de chat is gezegd. Ik geef graag het woord aan Olivia
voor de voorstelling van de pistes ter mogelijke oplossing. Merci Christelle. Et du coup, à nouveau, il faut souligner toute l'ambition qui a été demandée de tracer des pistes de solutions en un laps de temps très limité, une heure, cinq minutes par acteur. Donc ici, il s'agit à nouveau de mettre des premières idées sur la table et on espère que tout ceci ne sera que le début d'une plus longue réflexion, voire d'une réforme qui pourra être mise en place. Alors à nouveau, on avait dit il y a des facteurs qui ont trait à l'exécution des peines en soi, mais il y a des facteurs plus macro. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est ressorti du témoignage de beaucoup d'entre vous autour de la table. Vous avez dit il y a un problème de manque d'aide sociale à la fois dehors, à la fois à l'intérieur de la prison. Il faut donc favoriser les services externes, leur travail en prison, mais il faut aussi renforcer l'aide sociale à l'extérieur. Et surtout, pourquoi pas, ça a aussi été mis sur la table, permettre des contacts avec des organes extérieurs comme le CPAS ou les services d'aide à l'emploi par des visioconférences. Donc là, vous avez déjà tous mis des choses intéressantes sur la table. Deuxième chose que plusieurs d'entre vous ont souligné, c'est le fait qu'il y a une responsabilité sociétale. Une personne ne peut pas se réinsérer s'il n'y a pas de société qui accepte de lui redonner une place dans cette société, d'où l'intérêt de travailler à la sensibilisation de la société à cette question. Et maintenant, au niveau des déconnexions qui ont été élaborées, on a entendu du côté du barreau le fait qu'on nous a dit que c'était trop complexe les règles, qu'on devait aller vers une simplification. Est-ce qu'un code de l'exécution des peines, c'est une idée qui a déjà été mise sur la table par le ministre, est-ce qu'il ne serait pas temps de travailler déjà un premier projet de code de l'exécution des peines, certainement pour les personnes qui cumulent plusieurs peines, pour y voir plus clair. J'ai entendu aussi de la bouche de plusieurs d'entre vous qu'il faut davantage travailler ensemble, osons travailler ensemble, même si nous ne sommes pas dans les mêmes logiques d'action. Et donc, cette table ronde est un lieu de rencontre, mais il en faut de plus nombreux par le biais de formations, d'échanges de pratiques. Mais pourquoi pas, j'ai déjà entendu autour de la table des personnes qui ont fait des comparaisons avec la loi sur l'internement. On sait que pour l'internement, il existe des coordinateurs qui permettent justement à tous les acteurs de se rencontrer, de produire des statistiques. Pourquoi pas mettre sur pied des coordinateurs de l'exécution des peines qui pourraient du coup institutionnaliser cette concertation, fournir des chiffres avec les acteurs de terrain qui puissent leur permettre de faire des retours sur leurs pratiques. C'est aussi une piste à suivre quand on sait que la réforme du Code pénal veut donner plus de compétences aux tribunaux de l'application des peines à l'avenir. Quant aux fameuses conditions et aux exigences qui pèsent sur les condamnés, mais aussi quand on sait qu'on doit faire face à un manque d'aide sociale en prison et que ça ne changera pas demain, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place dans l'immédiat pour essayer de favoriser la libération conditionnelle lorsqu'on sait que les études montrent que cette modalité protège davantage contre le risque de récidive qu'une sortie sèche? Nous avons mis trois propositions sur la table à débattre, mais bien sûr, autour de la table, vous pouvez soumettre d'autres propositions. La première, c'est se demander s'il ne devrait pas y avoir plus d'automaticité dans les décisions d'octroi des modalités d'exécution des peines. Ça peut prendre plein de formes, ça peut être l'automaticité de décision après une première décision de principe, ça peut être de dire, dès qu'il y a des perspectives, on octroie en laissant, par exemple, 6 mois pour, je reprends les termes de Madame Nibel, opérationnaliser la modalité. Donc voilà, la question de plus d'automaticité, dans quelle mesure est-ce que ça a des avantages, des désavantages? Deuxième suggestion, ça c'est Monsieur Fung qui avait terminé le premier tour de table sur cette question, est-ce qu'on ne recourt pas trop à la surveillance électronique, à la détention limitée? Ne faut-il vraiment pas les limiter au cas où c'est absolument nécessaire? Et enfin, là, je reprends aussi les mots qui sont venus de plusieurs d'entre vous. Quand on fait un calcul coût-bénéfice, c'est que le délai d'épreuve est trop long par rapport au fonds de peine qui reste, on n'est plus preneur. Est-ce qu'on ne pourrait tout simplement pas dire, dans ce cas-là, la durée du délai d'épreuve sera celle de la fin de peine pour justement encourager une sortie préparée plutôt qu'une sortie sèche? On va donc redonner la parole aux acteurs de terrain dans le même ordre de parole. Vous pouvez réagir à l'une, à l'autre des propositions comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre sur la table vos propres propositions. L'idée, c'est d'être constructif pour la suite du débat. Ok, dan is het nu het woord aan de Nederlandstalige, mevrouw Klaasens van het PSD.
Wat zijn jouw mogelijke voorstellen van oplossing? Wat betreft die automatisering, dat is wel een serieuze klik die ik zou moeten maken. Dus ik weet niet waarom, maar ik neig meer naar zo'n genre tussen oplossing, als je het al zo kan noemen. Meer flexibiliteit inlassen ergens in de procedure. Naar strafuit, op gebied van strafuitvoeringsrechtbank. Ik weet wel dat dat ook al gebeurt. Ik denk aan de uitvoerbaarheid van vonnissen eventueel laten afhangen van het ontvangen van attesten à la limite of van de stand van zaken van het reclasseringsdossier om uitstellen te vermijden, om afwijzingen met bepaalde nieuwe termijnen te vermijden, zoiets. Maar ik zeg het, die automatisering, ik vind het een kronkel, omdat de denkwijze is dan van oké, iemand krijgt VI tenzij dat het tegenaangewezen is. Tegenaangewezen op basis van wat? Ik las ook, de directeur kan oordelen dat er een negatief advies zou zijn. Ja, en dan is er geen automatische toekenning van een VI. Oké, op basis van wat zal de directeur dan afwijzen? Of zal de directeur dan oordelen van dit dossier kan niet automatisch een VI krijgen? Dus ik heb nog veel vragen daarover. Omdat het inderdaad een omgekeerde redenering is. Dus daar ben ik benieuwd naar wat de collega's gaan zeggen. Wat betreft punt B, mag ik dat ook al zeggen? Ja, elektronisch toezicht en beperkte detentie. Ik ga eerlijk zijn, ik hou een warm pleidooi voor elektronisch toezicht. Ik ben gedurende 8,5 jaar assessor geweest bij de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank. En er zijn nu eenmaal mensen die wel baat hebben bij niet noodzakelijke lange periode onder elektronisch toezicht al, maar vooral vanwege die structuur. We merken dat bepaalde categorieën van mensen tijdens detentie echt wel functioneren of die structuur eigen maken en die structuur soms ook nodig hebben. En ik zie dat elektronisch toezicht in sommige gevallen, zeker niet automatisch, zeker niet die automatische geleidelijkheid die moet bewandeld worden, maar voor sommige profielen van gedetineerden zie ik dat wel als een meerwaarde. Niet gedurende jaren, maar ja, toch wel als een eerste stap met meer vrijheden. Wat betreft beperkte detentie hou ik een lauw pleidooi. Beperkte detentie, ik vind dat niet altijd even constructief. Dat leidt niet vaak tot iets goeds, denk ik, voor de gedetineerden in kwestie. Maar ik vind wel dat het aangeboden moet kunnen worden. Omdat de samenleving is zodanig, er zijn zo allerhande tendensen in de samenleving momenteel. Er zijn heel veel mensen die in een sociaal vangnet moeten terechtkomen. Er is veel armoede, er is veel miserie, noem maar op. En niet iedereen vindt onmiddellijk een opvangadres. Onthaaltehuizen, ja, ook niet ideaal, maar bon, dat kost ook geld. Gedetineerden zijn doorgaans niet de rijkste mensen in onze samenleving. Dus voor die categorie zie ik beperkte detentie als een tijdelijke mogelijkheid om op een bepaalde manier een genre reserve of verder de piste van opvang te gaan exploreren. Dus ja, dat is zo mijn standpunt. Maar ik zeg het, ik ben benieuwd naar wat de collega's zeggen. Oké, dankjewel. Buiten de voorgestelde pistes kan je zelf ook nog een voorstel doen, maar ik weet niet of je daar nog over nagedacht hebt. Nee. Nou, dacht wel. Geen. Tijd op maat van de gedetineerden. Ja. Dat is gemakkelijker gezegd natuurlijk. En we proberen dat ook al na te streven, heb ik de indruk. Iedereen hier aan tafel, maar nieuwe initiatieven, nee. Oké, dankjewel voor je Je donne alors la parole à la directrice de l'EUS, madame Mallier. Merci. Alors, moi, personnellement, dans le cadre de ma fonction, je trouve la proposition de quasi-automatisation très intéressante. Dans le sens où ça nous soulève le côté d'incertitude que peut représenter la mise en route d'une demande de modalité d'exécution de la peine, parce que le détenu ne sait pas, le directeur ne sait pas, le SPS ne sait pas ce qu'il va devoir être présenté pour aboutir à la décision positive. Et donc, ça permet vraiment à tous ces acteurs de retrouver le sens premier qui est la motivation et qu'est-ce qu'on fait avec la personne en détention, que veut-il faire de sa vie.
Ça permet donc de pouvoir non plus préparer tout ce travail en ayant en tête comment va-t-on répondre aux attentes, et je dis bien on, parce que ce n'est pas que le détenu qui doit répondre aux attentes, c'est tous les acteurs. Comment va-t-on répondre aux attentes du tribunal d'application des peines pour obtenir le Saint Graal, mais bien pouvoir se poser alors enfin dans la détention avec, OK, comment à côté de vous, nous allons pouvoir débattre de vos projets de vie et de ce que vous allez faire plus tard. Et donc je trouve que cette automatisation permet ça bien plus. Clairement, ça va bousculer aussi tout ce qui se passe à l'intérieur des prisons, évidemment. Parce que là, je rejoins notre collègue du SPS. Il y a des enjeux et des fonctionnements institutionnels qui cristallisent complètement la manière dont le détenu va pouvoir aussi se mobiliser pour trouver un lieu d'accueil s'il n'a pas de famille, etc. Et donc, ça va obliger aussi l'administration pénitentiaire et le fonctionnement des prisons à travailler autrement. Dans la mise à l'emploi des détenus, dans le niveau des gratifications, dans l'implication de toutes les fonctions qui se trouvent dans la prison, parce qu'on parle des directeurs, on parle du SPS, on parle des services extérieurs, il y a une fonction fondamentale aussi qui est une fonction miroir pour le détenu, c'est l'assistant de surveillance pénitentiaire, avec les futures fonctions qui sont prévues, l'accompagnateur et l'assistant de sécurité. Il joue aussi un rôle fondamental dans la construction de ce que peut être un reclassement futur. Ce sont eux qui sont les premières personnes pendant la détention à recevoir les conséquences d'un comportement qui donne des conséquences ou qui font écho aux conséquences pour lesquelles les personnes ont été condamnées. Et donc, ce sont des partenaires privilégiés qui doivent être aussi impliqués. Donc voilà, je pense que cette proposition, en tout cas, peut mobiliser et permettre complètement le renversement de ce que doit être le travail à l'intérieur du milieu. Donc, moi, je suis favorable, en tout cas. Concernant la surveillance électronique et la détention limitée, je rejoins l'avis aussi, c'est que certains ont besoin de ce cadre contraignant pour pouvoir continuer la mobilisation qu'ils ont mis en place en prison tout en étant en sécurité par rapport au fait que il y a des contraintes auxquelles ils doivent se conformer. Ça les rassure. Pas sur une durée longue, comme on peut le voir parfois, d'un an, voire plus sous surveillance électronique, mais bien dans l'idée de poursuivre la mobilisation et en ayant quand même à vue qu'on n'est pas dans un plan de réinsertion finalisé, mais bien dans ses premières perspectives, pour que l'assistant de justice à l'extérieur poursuivent le travail de motivation et aboutissent alors à ce moment-là à quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans les conditions de vie de la personne qui alors à ce moment-là est sortie en surveillance électronique. Donc je crois qu'il faut garder ce principe de piste à discuter évidemment avec la personne bien entendu et dans quel objectif. Je crois que ça c'est aussi fondamental. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de Nederlandstalige directeur van de gevangenis, hè? Griet Kool. Wat is jouw visie op de pistes? Ik moet zeggen, de piste van automatisering van toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten is iets, ja, kan dat heel moeilijk plaatsen. Ik werk voor dit moment echt met lang gestraften, waar dat toch niet zo evident is. Ik kan me voorstellen dat het voor bepaalde categorieën wel een meerwaarde kan betekenen. Ik denk aan first offenders, kortere straffen. Waardoor het een aantal procedures vlotter kunnen verlopen. Maar voor langer gestraften vind ik toch nog altijd een risicoanalyse, toch een basis van een reclasseringsplan noodzakelijk alvorens we gaan nadenken over het toekennen van strafuitvoeringsmodaliteiten. Ik vrees ook een beetje dat als een modaliteit automatisch gaat toegekend worden, dat de motivatie bij onze gedetineerden een stuk lager gaat liggen om nog een plan uit te werken. Het gaat er gewoon zijn, men gaat naar buiten gaan en om ze dan gemobiliseerd te krijgen om nog te integreren in die maatschappij, om nog te voldoen aan wat we een beetje verwachten toch wel van hen om een normaal leven te leiden. Ik vrees daar wat voor. Er gaan er zeker zijn die daar dankbaar gebruik van gaan maken, wat dat een meerwaarde gaat zijn. Maar
Ik denk dat dat voor velen echt wel een valkuil gaat zijn. Ik ben persoonlijk sowieso geen voorstander van beperkte retentie. Ik zie dat een heel negatieve impact vaak op mensen hebben. Het terugkeren naar de maatschappij met alle stress dat dat meebrengt. Stomme dingen, hè. Elke dag van een gevangenis naar hun werk gaan. Een justitieassistent die moet gecontacteerd worden. Een therapeut die nog een aantal financiële zaken die moeten geregeld worden. En dan moet je daar s'avonds terug naar de gevangenis en moet je daar gaan zitten. Er zijn heel weinig mogelijkheden. Dat heeft voor weinigen een meerwaarde. Ik zie daar vooral heel veel stress bij komen, stress stijgen. De realiteit is dat er ook gewoon heel veel drugs is op afdelingen in beperkte detentie. Ook dat is een risico. Waar ik wel, net zoals Charlotte daarnet zei, een voorstander ben van het elektronisch toezicht. Wij zien gedetineerden binnen een gestructureerde context vaak wel eens functioneren. Als we die gewoon vrijlaten en alle controle valt weg, dat is toch wel een moeilijkere. Elektronisch toezicht kan daar een versoepeling zijn, dat het een aantal voordelen met zich meebrengt. Hoeft inderdaad niet lang te zijn, maar kan toch wel de mogelijkheid bieden om geleidelijk aan in te stappen in een normaler traject. Het laatste voorstel was de proeftermijn die de straf tijd overschrijdt. We zien dat in de praktijk wel spelen. Dat we de afweging maken. Dat kan inderdaad een extra motivatie zijn om zeker in die laatste fase toch nog zich in te zetten voor een aantal zaken. Dankjewel. Merci. On voit déjà des choses qui reviennent hein, par rapport à ce qui a été dit sur la détention limitée, le bracelet électronique. Je donne maintenant la parole à Madame Nibel de la DGD. Merci. Bien. Première question par rapport à l'automatisme des modalités d'exécution de la peine. J'y vois des avantages et des inconvénients. Hein, et les avantages, évidemment, c'est la charge moindre sur le SPS, sur cette espèce de, allez, de chantage, entre guillemets, entre le comportement et la gestion de la détention et l'octroi de modalités d'exécution de la peine. Mais par ailleurs, ça demande de changer complètement la manière dont on travaille dans les établissements, parce que pour moi, c'est pas parce qu'il y a un automatisme qu'il ne devrait plus y avoir ce travail du SPS et le travail des services des communautés, etc. Mais ça pourrait être fait d'une toute autre manière. Et c'est déjà le cas dans certains pays à l'étranger, et ça ne se passe pas si mal, d'ailleurs, je pense. Enfin, je pense. Et l'autre avantage, c'est que ça diminuerait justement cette déconnexion dont vous parliez entre l'interne et l'externe. Mais on pourrait imaginer une continuité plus importante justement entre l'interne et l'externe. Et voilà, donc ça pour moi, ça peut être un avantage. Maintenant, un désavantage, c'est qu'il y a un moment donné, je pense qu'il y a certains profils qu'il faut pouvoir identifier qui ne pourraient pas rentrer dans cet automatisme. On connaît dans la population pénitentiaire, et tant en Flandre qu'en Wallonie, mais peut-être qu'il y a plus de cas en Flandre, de détenus dont il n'est pas envisageable de laisser sortir, en fait. Et donc ça, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir identifier ces détenus et que ce ne soit pas lié directement au comportement en détention. Parce que c'est pas parce que une personne a des difficultés de vivre sa détention, que forcément, il ne peut pas sortir. Ça, je pense que c'est un lien, enfin, qu'il faut être très prudent dans le lien qu'on fait. Voilà, donc,
Il y a du pour et du contre, je pense, et il faut réfléchir, en tout cas, comment pouvoir mettre ça, opérationnaliser cet automatisme. Par rapport à la détention limitée à la surveillance électronique, personnellement, je trouve que ce sont des mesures qui sont importantes, mais qu'il faut utiliser d'une autre manière. Et la détention limitée est très très peu utilisée en Wallonie, mais beaucoup plus en Flandre, dans cette idée de progressivité. Or, pour moi, la détention limitée et la surveillance électronique, ça devrait être des mesures qu'on utilise pour justement permettre aux détenus de concrétiser, d'opérationnaliser des projets qu'ils se feraient en prison. Et de ne pas lui demander, avant de lui octroyer une surveillance électronique, que ces projets soient déjà concrets et qu'il n'ait plus qu'à les mettre. Qu'elle est appliquée finalement une fois dehors. Non. Pour moi, ça devrait plutôt être, voilà, j'ai envie de travailler dans tel secteur, de suivre ce genre de formation, etc. Et on lui octroie une surveillance électronique pour justement bénéficier, faire les démarches nécessaires pour trouver cette formation, pour l'attester, etc. La détention limitée, je l'utiliserai en tout cas uniquement quand il n'a pas de logement. En fait, c'est ça l'intérêt d'une détention limitée par rapport à une surveillance électronique. C'est quand la personne n'a pas de logement et qu'il a besoin de pouvoir sortir, de pouvoir faire des démarches pour trouver ce logement, bénéficier d'aides financières, etc. Enfin, soit. Et de ne pas utiliser la détention limitée comme une progressivité avant une surveillance électronique. Pour moi, c'est un peu too much. Allez, un dernier point qui me semble important, c'est comment on considère l'échec. On parle souvent d'échec et, par exemple, quelqu'un qui, allez, un consommateur de stupéfiants, c'est malheureusement le cas de nombreux de nos détenus, quand il reconsomme à l'extérieur, on voit ça comme un échec et on remet tout en question. Or, ça peut être une étape dans son processus, hein. On sait que ce soit le stup, l'alcool, mais même nous, quand on se met des challenges, hein, ou quand on fait un régime, par exemple, bêtement, il y a des moments où on craque et ça ne remet pas tout en question. Le lendemain, on ne se dit pas, c'est foutu et j'arrête complètement. Non, on reprend les choses et voilà. Donc, je pense qu'on doit quand même relativiser un peu les échecs et leur donner peut-être parfois, pour certains profils, bien entendu, moins d'importance. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, je vois que on ne sait pas tout suivre, mais ça s'agite dans le chat aussi à propos de ce discours. Je vois à propos d'automatique, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de saisine automatique du TAP, non sur demande, pour éviter les fonds de peine et voir les dossiers qui n'y arrivent pas. Beaucoup de personnes appuient la flexibilité en faisant des comparaisons avec le juge de la jeunesse. Et avec justement les chambres de protection sociale qui ont des approches justement plus souples. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de tout suivre, mais je vois que ça vaudra la peine de relayer ce qui se sera dit dans le chat par la suite également. Ok, dankjewel. Ook voor de nuanceringen, voor en tegen de automatisering. Het feit dat we moeten zoeken naar een manier om de moeilijke dossiers te identificeren, hè. En ook ja, het gebruik van elektronisch toezicht om daar toch ook zo spaarzaam mogelijk rond te werken en te gebruiken in gevallen dat het ook echt nuttig kan zijn. Oké, dan gaan we nu over naar de advocatuur en geef ik graag het woord aan Saskia Kerkhoffs, Nederlandstalige advocaat. Et pardon, juste encore avant, je relaie une dernière chose du chat, c'est que beaucoup, enfin, des personnes ont mis en avant la flexibilité dans la procédure de l'article 59, comme ça, si jamais. Donc, qui permet au TAP d'octroyer des permissions de sortie et des congés. Saskia. Dank u wel. Ja, ik heb het daar straks al gezegd. Ik denk dat het belangrijk is voor een gedetineerde dat er duidelijkheid is, dat er transparantie is, dat hij van dag één weet aan welk traject dat hij begint. En dan, of de vraag die gesteld is, moet dat dan automatisch gebeuren of niet, denk ik dat minder relevant is. Ik denk dat een duidelijke structuur veel belangrijker is dan die automatiseren van een procedure. Ik ben de mening toegedaan dat wanneer men een
degelijk kader heeft, een mooi theoretisch kader, maar in de praktijk wordt het niet naar behoren ingevuld, zoals wat we van de PSD's horen. Wij steken daar heel veel werk in, maar, of wat dat er daarnet gezegd is, op zoveel gedetineerden hebben wij maar 20 uur psychologische hulp die kan toegekend worden. Ja, als al die middelen ontoereikend zijn, wat maakt uw wettelijk kader dan eigenlijk nog uit, of dat het dan een geautomatiseerde procedure is of niet, als het op terrein niet naar behoren wordt ingevuld, ja, dan stelt de vraag zich niet naar welk systeem dat we moeten gaan. Dus ik denk dat je in de eerste plaats naar het terrein zelf moet kijken en zien dat daar alles op een degelijke manier ingevuld is. En dan eens kan kijken naar wat geeft dit in de praktijk. Dan andersom te gaan redeneren, moeten we iets veranderen aan ons theoretisch kader of niet? Dus ik denk dat de structuur, hoe dat ze er is, mits een bepaalde vereenvoudiging, ja, wel degelijk naar behoren kan functioneren. En dan een tweede opmerking die ik heb in verband met de duur van de voorwaarden, of dat die de strafduur moet overschrijden of niet. Ik denk dat ik daar een heel duidelijk standpunt in heb. Ik denk dat het antwoord daar nee is. Ook daar, dat koppelt terug naar mijn standpunt van duidelijkheid. Wanneer dat iemand, en het is al meermaals gezegd, een jaar voor strafeinde is, maar dan geconfronteerd is aan nog zoveel tijd daarna onder voorwaarden, ja, dat de afweging dan vaak snel gemaakt wordt. Dus ik denk wanneer dat die voorwaarden beperkt worden in tijd met de strafduur, dat dat effectief veel gedetineerden zal motiveren van oké, ik ga misschien toch een ander traject kiezen. En dan een laatste punt in navolging van wat er gezegd is met we kijken dus effectief naar de plaats van de gedetineerde die hij zal innemen in de maatschappij, maar het is daar straks ook al aangereikt. Wat doet de maatschappij met de gedetineerde en de tegen dan ex-gedetineerde terug op te nemen in de maatschappij? Ik denk dat er daar ook heel veel werk kan gedaan worden met wetgevend initiatief. En ik denk bijvoorbeeld aan, er zijn zoveel maatregelen die genomen worden om bepaalde mensen in een regulier circuit binnen een arbeidskader te krijgen. Waarom niet met ex-gedetineerden? Waarom niet bijvoorbeeld overheidsbedrijven gaan verplichten om een aantal ex-gedetineerden binnen een arbeidscircuit op te nemen, of gewone bedrijven met een aantal sociale voordelen daaraan gekoppeld, dus ook het werkveld gaan motiveren om ex-gedetineerden binnen dat circuit te krijgen. En dan een allerlaatste punt, maar dat heb ik daar straks al aangehaald. Ik denk mits een aantal praktische wijzigingen om de brug tussen binnen de muur en buiten de muur te vergemakkelijken voor gedetineerden om te werken naar die reclassering door bijvoorbeeld videoconferenties te kunnen organiseren met WDAB, OCMW, sociale huisvesting. Ik denk dat dat heel gemakkelijk te organiseren is, zeer weinig kosten heeft, maar toch wel heel veel praktische oplossingen kan bieden voor gedetineerden zelf. Dank je wel voor de zeer concrete voorstellen die niet heel moeilijk zouden moeten kunnen uitvoerbaar zijn. En ook voor avoir mis en exergue cette responsabilité sociétale des entreprises, auxquelles on n'a pas encore souligné. Et maintenant, je donne la parole à Justine Weintraub pour le barreau francophone. Alors, par rapport aux pistes et aux propositions que j'avais envie d'amener aujourd'hui sur la table, par rapport pour lever ces obstacles. C'est déjà un travail dès le début de la détention, au plan de détention. Je pense qu'on ne travaille pas assez ou alors trop tard. Et en tout cas, beaucoup plus rapidement, avec pour le détenu une certitude par rapport au, avec pour le détenu une certitude par rapport à cette date d'admissibilité et une possibilité de saisir le TAP à tout moment s'il y a des questions qui se posent par rapport au calcul effectué par l'administration sur sa fiche d'écrou. Je proposerai également des sanctions au dépassement des délais, de tous les délais, ce qui n'est pas le cas, si ce n'est le délai qui n'est pas respecté par la DGD en cas d'avis favorable de la direction. Je serai dans des sanctions pour tous les délais à peine de déchéance qui amènera des solutions favorables aux détenus.
J'étais très séduite par la proposition écrite par Marc Neff sur le chat de réduction de peine dans le cadre de bonne conduite en détention, de formation exécutée, comme ça peut se faire dans des pays voisins. Je proposerais également des réductions de délai en ce qui concerne les différentes demandes à introduire. Donc, on le sait, quand on introduit une demande de permission de sortie, il y a un délai de 2 mois pour la direction pour rendre son avis, qui n'est pas toujours respecté, enfin, tout dépend évidemment d'une prison à l'autre. Puis il y a les délais de 14 jours ouvrables pour la DGD pour y répondre. Et puis il y a un délai de 3 mois avant de pouvoir introduire une nouvelle demande. En fait, entre la première demande et la décision et le fait d'introduire une deuxième demande, il y a 6 mois qui s'écoulent quasi. Et donc moi, je serais dans une optique de réduire ces délais. Je serais dans une optique de réduire la suppression du délai comme condition à l'article 59. De pouvoir, dans un délai de 2 mois, pouvoir prétendre à la mesure pour laquelle on comparaît initialement, parce que finalement, c'est ce qui parfois bloque devant le TAP en disant, oui, effectivement, il y a une situation de blocage, mais vous n'êtes absolument pas prêt dans un délai de 2 mois à pouvoir bénéficier à la mesure pour laquelle vous êtes aujourd'hui, enfin, pour laquelle le TAP est saisi, et on se retrouve finalement dans une situation qu'on ne peut débloquer. Je trouve que toutes ces pistes sont évidemment, pourrait en tout cas permettre à lever certains obstacles. Par rapport à la proposition d'automaticité, j'y suis hyper favorable. Je trouve que ça pourrait effectivement permettre de débloquer bien des situations où les détenus qui sont tous un petit peu oubliés dans certaines cellules et qui finalement ne s'excitent pas ou qui ne font pas parler d'eux. Mais moi, je ne serais pas favorable à la suppression des rapports SPS parce que je trouve que c'est difficile pour une autorité, que ce soit la direction, que ce soit ou le TAP par la suite, de supprimer ces rapports SPS qui me semblent indispensables pour analyser certains risques. Et surtout, si on les supprime et qu'on arrive finalement à une décision où l'automaticité dans ce dossier-là n'est pas nécessaire, eh ben on va devoir à ce moment-là se mettre à la rédaction d'un rapport et en fait ça aura un effet contre-productif à l'objectif de base de l'automaticité qui est d'éviter d'arriver à fond de peine ou de sortir le plus tard possible. Je suis très séduite par rapport à la proposition de permettre aux détenus d'être acteurs vraiment de son plan de reclassement et de ne pas devoir compter sur les SPS, sur les services d'aide aux détenus et de pouvoir, de l'extérieur de la prison et pas de l'intérieur, proposer que ces perspectives de réinsertion sociale deviennent un plan concrétisé et de l'extérieur le concrétiser. Je pense que ça amènerait à une solution win-win pour tout le monde. Ça désengorgerait effectivement plein de services. Ça permettrait un encadrement à des détenus. Qui ne sortiraient pas à fond de peine comme des bêtes sauvages après avoir été enfermés et ayant accumulé un sentiment de colère ou de frustration, ça permettrait, je pense, indéniablement une diminution du risque de récidive, avec quand même toujours l'objectif et cette possibilité de saisir le TAP à tout moment pour toute question qu'on n'aurait pas prévue et surtout ces questions à nouveau de date d'admissibilité. Juste très très brièvement par rapport aux surveillances électroniques, détention limitée, mais surtout à la surveillance électronique, moi je pense que ça doit rester une possibilité pour les détenus s'ils en font le choix personnel. Et pareil pour l'automaticité, il doit toujours y avoir la possibilité pour le détenu de pouvoir se désister. Juste pour la surveillance électronique, ce que je voulais juste dire, et puis j'en terminerai là, c'est que le risque et l'effet contre-productif parfois de la surveillance électronique, c'est l'obstacle à la socialisation. L'isolement, alors qu'on sait que les détenus qui s'en sortent sont en général les détenus qui sont entourés. Et j'ai l'exemple d'un client qui me disait, après le travail, je devais vite, vite courir pour être rentré chez moi à temps. Et tous mes collègues me disaient toujours, mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'enfouis toujours? On peut discuter entre collègues, on peut aller boire un petit verre, etc. Et donc, voilà, je trouve que c'est un obstacle qui est parfois contre-productif. Mais ceci dit, je pense qu'il faut laisser le choix aux détenus de pouvoir toujours faire demander ces modalités. Merci beaucoup. Dank u wel. En dan gaan we nu over naar de actoren
bij de strafuitvoeringsrechtbank en geef graag het woord aan mevrouw Chantal Delfroy, Openbaar Ministerie bij de Nederlandstalige Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. Dank u wel. Ja, ik zal wel al begrepen hebben vanuit de inleiding dat het Openbaar Ministerie absoluut tegen de pisten is van automatisering. In de eerste plaats vinden wij dat een stap terug. Waarom? Omdat de piste van automatisering totaal haaks lijkt te staan op de inwerkingtreding van de bepalingen van de straffen onder 3 jaar, waarbij de wetgever toch duidelijk de wens had geuit om de automatisering af te schaffen en de toekenning van de strafuitvoeringsmodaliteiten toe te kennen aan de onafhankelijke strafuitvoeringsrechter. Trouwens, ondertussen zijn er ook heel veel geld en middelen ingezet om bijkomende magistraten en personeel aan te werven, juist in het kader van hervormingen. Daarnaast zien we er uiteraard ook veel meer nadelen in dan voordelen in die zin, en dat is eigenlijk ook al aangekaart hier, dat die automatisering volledig voorbijgaat of aan de individualisering en de responsabilisering van de veroordeelde, wat ook al door mevrouw Kool is aangekaart. Waarom zou de veroordeelde nog zijn best doen als hij toch automatisch een strafuitvoeringsmodaliteit kan krijgen? We denken ook aan een enorm probleem van de tuchthandhaving in de gevangenis. Want waarom zou de gedetineerde zich nog goed gedragen in de gevangenis als hij toch automatisch naar buiten kan gaan? En ook tast het de rechtszekerheid aan van de veroordeelde, want ja, er is geen tussenkomst van een onafhankelijke rechter. En wie gaat er zijn rechten waarborgen? En dan ook nog de slachtoffers die in de kou blijven staan, opdat ze zich niet kunnen wenden of tot de rechter niet betrokken worden bij de proceduren om hun wensen te uiten. En dan natuurlijk ook denken we dat het volledig voorbij gaat aan het veiligheidsaspect van de maatschappij, want die blanco check die wij geven aan de veroordeelde, die houdt totaal geen rekening met het potentieel gevaar van de veroordeelde en het recidivrisico. Op een bepaald moment hoor ik zeggen hier in de discussie, ja, dan moeten we uitmaken wie in aanmerking komt voor de automatisering en wie niet. Maar ja, dan riskeert men weer opnieuw een ongelijkheid te creëren tussen de veroordeelden, wie er wel in aanmerking komt en wie niet. En dat lijkt me totaal Kafka te zijn. We hebben ook wel eigenlijk vragen bij de uitvoering van die automatisering, want als ik las dat de VI wordt automatisch toegekend tenzij de gevangenisdirectie en het Openbaar Ministerie anders adviseren, dan stel ik mij de vraag, hoe gaat het Openbaar Ministerie adviseren? Op welke basis gaan wij dat doen? Uit welke elementen kunnen wij afleiden dat die VI niet kan toegekend worden? Wij zitten niet in de gevangenis. En als we dan er zelfs nog geen PSD-verslag beschikbaar is, hoe kunnen wij dan eigenlijk een fundamenteel advies geven. Bovendien ook als men zelfs, zoals mijn collega Colinet zei, in het zwembad gooit gedurende 6 maanden, wie gaat er zich daar hen begeleiden? En als het mislukt, hoe gaan wij kunnen ingrijpen? Als er zelfs geen voorwaarden zijn opgelegd om hem terug binnen te roepen. En als het gedurende die 6 maanden helemaal niets meer onderneemt, of eigenlijk, of het lukt gewoonweg niet om de treklassering uit te werken, ja, hoe en wie gaat er dan ingrijpen? En wordt er dan ook niet heel veel verantwoordelijkheid gelegd bij de justitieassistenten. Dus dat zijn eigenlijk maar noten op heel veel nadelen. Waar moeten dan de oplossingen komen? Ja, ik denk, en dat is ook al eigenlijk aangekaart daar straks, dat we veel meer moeten inzetten op die begeleiding vanaf dag 1 in de gevangenis, om de veroordeelde te leiden naar de strafuitvoeringsrechtbank, meer persoonlijke begeleiding, zodanig dat we de veroordeelde ook die perspectieven kunnen geven om naar buiten te gaan. En dat is ook door meester Kerkhoff hier aangehaald, dat er voor de veroordeelde al een duidelijke structuur is. Belangrijker dan automatisering.
Wat dan betreft nog kort over de stapsgewijze reclassering. Ik denk dat de eerste stap van elektronisch toezicht voor sommige veroordeelden toch wel een goede eerste stap is. Vooral voor langgestraften die toch vanuit een lange detentieperiode teruggaan naar de maatschappij. En toch wel als eerste stap die structuur nodig hebben van een elektronisch toezicht. Beperkte detentie daarentegen wordt, ja, is eigenlijk een eerste stap voor veroordeelden die al een werk hebben of een opleiding. Hebben, maar die nog geen opvang hebben of een woonst hebben, dat kan al een eerste stap naar buiten zijn. Dus ik denk dat een stapsgewijze reclassering wel zeer nuttig kan zijn voor bepaalde veroordeelden, omdat ze dan in het begin toch ook een zekere omkadering en structuur geven die zij juist nodig hebben om hun reïntegratie te doen slagen. Oké, ik hoor een sterk pleidooi tegen de automatisering en een pleidooi voor meer begeleiding van in de gevangenis. Dank u wel. En pointant également quelles sont les raisons pour lesquelles l'automaticité serait un problème, j'entends notamment la question de la motivation des condamnés. D'autres pistes aussi ont été mises déjà sur la table, comment motiver des condamnés par des réductions de peine ou par d'autres systèmes que le système des modalités d'exécution de la peine. Je donne maintenant la parole à Monsieur Collinet du parquet francophone. Merci beaucoup. Bien, je ne peux que rejoindre la position de ma collègue néerlandophone. Effectivement, l'ensemble du ministère public près du TAP est opposé à l'automaticité. Moi, je ne vois qu'un seul avantage à l'automaticité, c'est de vider les prisons. Honnêtement, je ne vois que cet avantage-là. Ça permet de dire qu'il y a moins de détenus. N'oublions pas que la Belgique a quand même un taux assez important de détenus, mais surtout un taux très important de détenus par rapport aux places disponibles. Rien que pour un exemple, je vous signale qu'à partir d'aujourd'hui, la prison de Mons est en dépassement tel qu'elle est à l'encontre d'un arrêté de police qui a été pris par le bourgmestre et qui pourrait très bien interdire l'utilisation de la prison de Mons parce que nous sommes à plus de 30% de saturation. C'est-à-dire qu'il y a 130% de détenus par rapport au nombre de places disponibles. Avec en plus des problèmes d'insalubrité qui est lié à plusieurs prisons de Belgique, pas toutes, mais plusieurs. Cette automaticité, mais en fin de compte, elle oublie quelqu'un. Et je crois qu'on l'a déjà évoqué, elle oublie la victime. Je signale qu'il y a une circulaire des procureurs généraux qui est en application depuis le 1er septembre de cette année et qui oblige à rédiger et à contacter les victimes dans toute condamnation, pour toute condamnation de personnes qui ont fait l'objet d'atteinte aux mœurs ou bien de crimes. Bon, c'est très bien si on automatise la libération conditionnelle. Alors, c'est quoi les victimes? Les victimes, elles vont apprendre qu'on a libéré la personne. Et elles, moi, je ne voulais pas, il va arriver chez moi. Comment est-ce que je peux lui interdire? Si c'est automatique, c'est automatique. C'est-à-dire qu'aucune condition n'est mise. Les conditions, on les verra après. Et la victime, elle se retrouve, voilà, devant un fait accompli. C'est mon voisin qui m'a tiré dessus. Mon voisin peut revenir vivre dans sa maison. Je n'ai rien eu à dire, puisque de toute façon, c'est automatique. Est-ce que c'est normal? Non. D'autre part, cette automaticité va entraîner quoi? Ok, le SPS ne doit plus rédiger d'avis, ou presque pas. Il n'y a plus de travail au sein des prisons. Mais la libération conditionnelle, elle évoque quand même le fait qu'il doit y avoir une surveillance. C'est conditionnel. Et qui va exercer cette surveillance? Les maisons de justice. Autrement dit, on ne fait que reporter sur un autre acteur qui n'est pas présent aujourd'hui. Malheureusement, on reporte sur les maisons de justice et sur les assistants de justice le travail qui avant pouvait être fait au niveau du SPS. Or, les maisons de justice sont déjà elles-mêmes saturées. Elles le seront encore plus avec l'application des peines de moins de 3 ans. Alors, c'est très joli. Le ministère, il est content. Au niveau fédéral, eh bien voilà, moi, je soulage mon budget. Oui, et les communautés sont très ravies parce que elles, les communautés, leur budget, il va s'alourdir. Est-ce que c'est vraiment la solution? Je vous rappelle, c'est un peu le même exemple qu'on a décidé d'éliminer les chômeurs de longue durée. Donc, les chômeurs de longue durée, eh bien, d'accord, ils ne sont plus à charge de la société. Qui, maintenant, doit s'en occuper? Les CPS. On ne fait jamais que reporter le problème. L'automaticité ne va pas résoudre le problème. Elle va déplacer les problèmes. Et ça, je crois que ce n'est pas une bonne solution. Alors, maintenant, les propositions intermédiaires. Là, je suis d'accord avec Madame Libel. La détention limitée doit être vraiment limitée au moment où la personne ne peut pas avoir d'hébergement. Et je peux vous dire, en tout cas, en ce qui concerne moi, je ne connais pas mais bien sûr les chiffres pour les autres tribunaux d'application des peines, mais on n'accorde la détention limitée vraiment que quand c'est nécessaire
Et parfois, c'est même temporaire. On sait très bien que la personne, dans 2-3 mois, elle a un job, elle a une formation ou elle a un travail concret, mais elle ne sait pas, elle n'a pas d'hébergement. Pourquoi? J'ai évoqué tout à l'heure le fait que la personne est isolée. La personne a peut-être un logement, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Eh bien là, la détention limitée est utile. La surveillance électronique, quant à elle, est une solution qui doit être effectivement tout à fait temporaire et limitée dans le temps. Elle ne doit donc, franchement, être que de quelques mois. Et une personne qui fait plus d'un an, ça, je ne trouve pas ça raisonnable. Quant alors au troisième point, qui était la durée du délai d'épreuve, mais ce délai d'épreuve, je crois qu'il a une raison d'être. Si on l'a décidé, c'est parce que justement, la personne doit pouvoir être testée. Si, si la personne est libérée 3 mois avant son fin de peine, sa fin de peine, et que le délai d'épreuve, c'est la fin de peine, à quoi ça va servir? 3 mois, ça ne sert à rien. Donc, je crois qu'il ne faut pas supprimer le délai d'épreuve. On peut peut-être l'adapter, mais certainement pas le supprimer. J'aurais certainement encore d'autres choses à dire, mais malheureusement, le temps est dépassé. Dankjewel, want er is nog een heel belangrijke actor die hier ook een belangrijke stem in het debat moet hebben. En dat zijn de voorzitters van de strafuitvoeringsrechtbanken. En ik geef eerst het woord aan mevrouw Esther van der Straten, van voorzitter van de Nederlandstalige Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. Dank u wel. Ik merk dat we eigenlijk volledig op dezelfde lijn zitten met wat het Openbaar Ministerie hier gezegd heeft. En ik ben het ook volledig eens met wat de collega van de Nederlandstalige Balie gezegd heeft. Het is belangrijk dat er op zijn minst duidelijkheid is. En dat is ook de reden waarom dat er een rechtbank eigenlijk over de wet moet waken. Wat heeft het voorzien om wetten te maken indien ze niet uitgevoerd worden? Dan is er willekeur en dat is ook frustrerend voor de veroordeelden. Die weg ter geleidelijkheid, ik denk dat dat een misverstand is, want dat staat ook niet in de wet. En dat is iets van vroeger. Ik zit al meer dan 7 jaar op de SURP, nog trouwens met een collega hier aan tafel als assessor. En die weg der geleidelijkheid, die werd nooit toegepast. Een beperkte detentie wordt enkel toegepast wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat een gedetineerde er zelf om vraagt, omdat hij geen woonst of geen inkomen heeft en zo wilt sparen om later een woonst of een inkomen te hebben. Ook elektronisch toezicht wordt enkel toegepast wanneer het noodzakelijk wordt geacht en niet zomaar omdat dat de weg der geleidelijkheid zou zijn die nergens in de wet staat. De wet zegt dat er reclasseringsperspectieven moeten zijn, niet dat de reclassering volledig concreet rond moet zijn. Dat doen wij ook niet. Wanneer iemand bijvoorbeeld gepensioneerd is, dan gaan wij die geen dagbesteding voorschrijven. Dan enkel wanneer dat in het kader van de risicotaxatie noodzakelijk is, dat die mens bezig is, gaat die bezig moeten zijn. Dus ik denk dat het een misverstand is dat dat zodanig streng zou worden ingevuld. Een oplossing die hier wordt voorgesteld naar automatisering. Wel, die automatisering hadden wij vroeger. En de onderzoekscommissie Dutroux, de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux, die heeft de strafuitvoeringsrechtbank door de grondwet zelf ingesteld nadien, omdat men van oordeel was dat een onpartijdige en onafhankelijke rechtbank strafuitvoeringsmodaliteit zou toekennen. We herinneren ons dat minister Wattelet de vervroegde vrijlating van meneer Dutroux had ondertekend en dat was een routine na gunstig advies op adviserende echelons. Men stelde toen als kritiek in die onderzoekscommissie dat eigenlijk de scheiding der machten niet gerespecteerd werd. Hè? Want de straffen die werden opgelegd door rechtbanken werden vervolgens ongedaan gemaakt door de minister van Justitie. Om het even welke vorm van automatisme vandaag invoeren zou precies hetzelfde inhouden. Onze collega van het Openbaar Ministerie hier, Frans Zalig, zag nog één voordeel aan het automatisering en namelijk de gevangenissen leegmaken. Ja, dat klopt op korte termijn. Maar als we geen goed plan onderbouwen voor die veroordeelden naar recidivisme toe, dan komen ze wel terug naar de gevangenissen. Dus dat zijn korte termijn plannen. Bovendien, wat voor zin heeft het wanneer we alles gaan automatiseren dat een strafrechter nog een afweging gaat maken voor een gepaste straftoemeting of dat een advocaat daarover pleit? Want moeten we het uitgangspunt hier niet vergeten? De rechter legt een straf op waarvan zowel wettelijk als door maatschappelijk door de burger verwacht wordt dat deze in haar geheel uitgevoerd wordt. En indien dat niet het geval kan zijn of moet zijn, dat daar dan heel objectief en weloverwogen over wordt nagedacht. De VI is vandaag een recht, een wettelijk recht. Welke waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid gaan gegeven worden als de gevangenisdirecteur al dan niet via advies aan de minister moet beslissen over de VI? Het is hier al gezegd, een gedetineerde die louter amok maakt binnen de gevangenis, wil men die misschien kwijt, geven we die een VI? Of willen we die extra afstraffen voor zijn gedrag tussen de muren?
Of een gedetineerde die binnen een gevangeniscontext misschien perfect functioneert, wat trouwens niet zelden het geval is voor gediagnosticeerde psychopaten, gaan we die automatisch een VI geven, want in de gevangenis gedraagt hij zich goed. En welke waarborgen zijn er daarbij voor het slachtoffer? Gaan we zeggen, ja, werk dat reclasseringsplan maar uit nadat u de gevangenis hebt verlaten. Als u ondertussen iemand verkracht of iemand slaat of iets fout doet, dan zal het Openbaar Ministerie wel tussenkomen. Ja, ook de schijn van partijdigheid is belangrijk bij de directie. We hoorden vandaag op de zitting nog iemand zeggen dat het eigenlijk jammer is dat de directeur vanzelfsprekend wel een positief advies zal geven, want hij komt goed overeen met de veroordeelde. Ja, dat is jammer dat de slachtoffers dat denkt, hè. Dus ook die schijn van partijdigheid is belangrijk. Aansluitend met de collega's zeg ik ook dat het veel moeilijker zal zijn om iemand uit de gevangenis te motiveren naar aan zichzelf te werken. Dat zien wij vanuit de probatiecommissie, hè, dat dat niet evident is om voor de gemeenschappen buiten de gevangenis een motivering te krijgen, nog afgezien van de wachtlijsten waar dat zij mee geconfronteerd worden. En ik ben het volledig met u eens dat het gaat om een werklastverschuiving van de PSD naar de gemeenschappen die helaas hier vandaag niet aan tafel zitten. Het huidige systeem heeft heel wat krachtlijnen en dat zou ik toch nog graag zeggen aan onze moderatoren, dat het toch belangrijk is dat te benadrukken. Wat zijn de krachtlijnen van het huidige systeem? De doorlichting van de veroordeelde en de risicotaxatie door een onderlegde PSD, ernstig onderzoek naar de bereidheid en inspanning tot reïntegratie, beoordeling door een onafhankelijke instantie, een tegensprekelijk debat, zowel bij de toekenning als bij de vraag tot herroeping, mogelijkheid van voorziening in cassatie, horen en informeren van het slachtoffer en een zeer goed georganiseerde opvolging. Wij hadden ook nog acht voorstellen tot verbeteringen, maar ik weet niet of dat daar nog tijd voor is. De eerste had ik al gezegd, toekenning van een advocaat. Er is inderdaad vandaag ook een groot verschil tussen proeftijd bij een straftotaal tot 5 jaar en bij een straftotaal van meer dan 5 jaar. Misschien is het interessant om een minimum van 2 of 3 jaar voor, zou dat misschien minder demotiverend werken. Daarin volg ik het wel. Een kanttekening moeten we misschien maken dat de minister van Justitie van deze week nog in de media aangaf naar middelen te zoeken om iemand na strafeinde op te volgen en verwees naar deze mogelijkheid. Maar goed, dat is een kanttekening. Tot aan de wetswijziging in 2013 verschenen alle veroordeelden voor de SURP en kon de SURP beslissen wanneer dat die voor u moest verschijnen. Nu kan dat alleen ambtshalve na een verzoek, dat is er ook al vaak aangehaald. Dus wij zouden het ook wel goed vinden om voor psychologisch en sociaal zwakkere personen die er niet in slagen een reclasseringsplan uit te werken, om deze veroordeelden toch te zien. Misschien kunnen we dan een strafeinde zonder enige controle vermijden, zeker als daar ook een advocaat aan zou kunnen toegewezen worden. Sommige gedetineerden raken drugverslaafd in de gevangenis. Het is ook in vergelijking met andere landen, hebben de Belgische gevangenissen niet zoveel mogelijkheden zoals fouillering en om controle op drugbezit in de gevangenis te doen, wat een daadkrachtig preventief drugbeleid belemmert. Een meer uitgebreide mogelijkheid tot initiatiefname voor gedetineerden die geestesziek zijn. Ja, maar dat is toch nog een belangrijke. Gedetineerden die geestesziek zijn, daarvan kan nu niemand het initiatief nemen om die te interneren, behalve de directeur. Zou het ook niet mogelijk zijn om die initiatiefname te verruimen? Want bepaalde hulpverleningsinstanties staan enkel open voor gedetineerden en de geesteszieke veroordeelden hebben geen plaats daarin. Het verkorten van de procedures is al bekeken. Misschien moeten inderdaad de procedures verkort worden. En heel interessant is iets wat mij door collega's van assessoren gezegd werd die ook bij de PSD gewerkt hebben, dat het interessant zou zijn dat de PSD zich rechtstreeks tot de betrokken griffie zou kunnen wenden om dossiers in te kijken. Nu vandaag de dossiers digitaal zijn, wordt er nog veel tijd verloren door de PSD om zich moeten via de hiërarchische weg te richten om bijvoorbeeld aan deskundigenverklaringen of aan dossiers te komen op de rechtbank. En dat zou, werd mij meegegeven, toch wel heel interessant zijn dat zij via digitalisering daar toegang kunnen krijgen. En er zijn nog, maar men is daar denk ik niet zo in geïnteresseerd. Ja, dank u wel. We zitten ook met tijdsconstraints en ik denk dat er een aantal heel interessante alternatieve voorstellen zijn geweest. En je hebt natuurlijk het huidige systeem met vuur verdedigd en nog eens in herinnering gebracht wat het belang daar ook van is. Dus dank je wel. Even, oui, pour terminer, on donne la parole à Jean-François Fink et puis il y aura une conclusion par le cabinet.
Voilà, merci. Alors, donc, par rapport à l'automatisation de la libération conditionnelle, j'avoue que je suis un peu sceptique, parce que ça va être automatique, sauf si, par exemple, la personne qui était condamnée pour la violence conjugale et qui n'arrête pas d'envoyer des lettres à son ex, en disant, quand je sors, je te fais la peau. Ben, quand même un peu difficile de le faire sortir. Et donc, si on va vers une. C'est automatique, sauf. Ben, en fait, on revient aux contre-indications et au système actuel. En fait, le fond du problème, c'est qui va prendre la responsabilité de la décision. Et donc, si c'est automatique, sauf avis négatif du parquet ou sauf avis négatif de la direction. Et que on a tous des avis positifs et que finalement cette libération conditionnelle aboutit à des catastrophes, ben vous aurez dans la presse, au Parlement, comment est-il possible que le ministère public ait rendu un avis positif pour un tel condamné? Et donc on aura beaucoup d'avis négatifs du parquet. Donc j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond dans cette question. Par contre, en y réfléchissant, je me disais, pour les PS et les congés, peut-être que ça pourrait être une bonne idée, cette automaticité, parce que, mais je pense que Madame Maillet est allée un peu dans le même sens, j'ai l'impression que ça obligerait tous les acteurs à changer un peu de logiciel. Puisqu'on ne passerait pas son temps à se dire, à essayer de trouver tous les motifs pour lesquels il n'aurait pas droit à des permissions de sortie. On se dirait plutôt, tiens, à partir de telle date, il a droit à des permissions de sortie. Et avec le SPS, travaillons pour que ça se passe bien, pour que, il mette effectivement à profit ses permissions de sortie et puis ses congés, de façon à ce qu'il ait quelque chose à présenter après au TAP. Donc, je trouve que là, la piste devrait en tous les cas être approfondie. Pour la surveillance électronique, moi personnellement, je vois quand même que ça, c'est quand même très compliqué pour les condamnés. C'est un stress, c'est des tensions familiales, c'est compliqué au point de vue du travail, Justine Weintraub l'a dit, on n'ose pas le dire à l'employeur, etc. Donc c'est des tas de. On n'a pas droit à l'intervention du CPS et à l'aide du CPS. Donc, c'était des tas d'obstacles. Alors, effectivement, pour certains, c'est nécessaire, mais essayons de la limiter uniquement à ceux pour lesquels, effectivement, un contrôle des horaires est absolument indispensable. Parce qu'effectivement, au départ, quand on a créé cette surveillance électronique, l'idée était de dire, c'est pour préparer la réinsertion. Or, on a changé, de manière de penser, maintenant la surveillance électronique, elle est perçue comme une période probatoire. On va le tester. C'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, je pense aussi que tous les acteurs ont intégré cette idée-là. On a souvent des détenus auxquels on demande, mais pourquoi vous n'avez pas introduit une demande de libération conditionnelle? Ah, mais c'est parce que le SPS m'a dit qu'il valait mieux, que je me suis dit que ça passerait mieux au TAP, etc. Donc on voit bien que, voilà, tout le monde. Et intègre la prudence des TAP. Il y a des messages qui passent et qui font que finalement cette surveillance électronique, elle est accordée, me semble-t-il, trop souvent. Voilà ce que je pense, je voulais dire. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, en om af te ronden hebben we nog meneer Pierre Wildrian van kabinet minister van Justitie. Hij zal nog een aantal afsluitende woorden geven en de conclusies. Ik denk dat er heel veel boodschappen naar de minister van Justitie zijn gegeven. Hopelijk gaan jullie daar ook mee aan de slag. Merci, Christelle. Beaucoup de choses ont été dites. Les messages du ministre, ils ont été donnés au début, donc je vais rester sur cela. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de conclure sur un certain nombre d'éléments. Monsieur Collinet, à 10 minutes près, on ne donnait pas le terme de victime. Vous avez été le premier à l'amener, après 2 h 50 de discussion. Je crois que c'est un élément important. Je ne dis pas que ça a été oublié et que les choses soient claires. C'est l'objectif de. Enfin, c'est plutôt le.
Le problème de ce genre de discussion, on ne peut pas tout aborder, mais en tout état de cause, effectivement, la victime a un rôle important. Dans le chat, j'ai noté une phrase que j'ai traduite comme ça à la volée. Entendre la victime, c'est pas seulement des obstacles à la libération, c'est bien plus que cela. Elle a des choses à apporter, cette victime, dans le processus conditionnel éventuel. Donc c'est intéressant, effectivement, d'être clair par rapport à elle. Et elle aussi a droit à l'information. Évidemment, le détenu, c'est ce qui a retenu la majorité de notre discussion. Lui aussi, il a besoin de clarté. Alors, est-ce que c'est via une automatisation des sorties ou des fins de peine? C'est des discussions qui peuvent venir. Mais en tout cas, il a surtout besoin d'un plan de reclassement. Ça, c'est le deuxième élément important. Ce plan de reclassement, il a été abordé en long, en large et en travers dans toute la discussion. On est conscient du fait qu'il faut le démarrer le plus tôt possible. On est conscient qu'il faut sortir du triumvirat classique, c'est-à-dire le logement, l'emploi et la thérapie. Il y a d'autres choses que ces trois conditions-là. On est conscient aussi qu'il faut un accès extérieur. La plateforme digitale qui existe, on a une directrice qui vient de l'Euse, et vous avez une plateforme digitale, elle va bientôt arriver dans toutes les prisons. La plateforme digitale actuelle ne permet pas un accès à Internet, la prochaine, celle qui va arriver notamment à Rennes, le permettra. Et donc il est temps effectivement que les détenus soient, et c'est un des termes qui a été beaucoup utilisé, actifs dans leur reclassement. On appelle cela de tous nos voeux. Et pour ça, on est conscient aussi qu'il y a une charge de travail. Monsieur Collinet l'a souligné. Il y a une charge de travail des maisons de justice, mais il y en a une aussi du SPS. Vous avez été nombreux, les deux directeurs, mais pas que, ont souligné, presque tout le monde d'ailleurs, je crois, a souligné la charge de travail. Donc pour ça, il faut avoir du personnel en plus, et c'était évidemment un élément important. Souligner aussi que les conditions, ça peut être aussi travailler avec une formation et un travail, ça a été dit, c'est important. Fournir du travail, y compris en détention, c'est quelque chose de très utile. La remarque du CCSP et de Marc Neve a été soulignée par les avocats. Ben oui, évidemment, on pourrait imaginer des incitants lorsqu'on réussit des formations. Ce sont des éléments qui sont importants. Alors, formation, travail et monde extérieur, ça a été dit au début, mais c'est utile de le rappeler, les partenaires, ils ne sont pas oubliés. On va les voir dans la dernière séance de table ronde. Pourquoi? Parce que, un peu comme pour la problématique des détenus sans droit de séjour qui feront l'objet de la prochaine table ronde, parce qu'ils sont transversaux. En matière d'alternative à détention préventive, d'internement, de ce qui nous occupe aujourd'hui, évidemment, il faut des formations, évidemment, on s'appuie sur la communauté, évidemment, on s'appuie sur l'aide aux détenus et les maisons de justice. Et donc, forcément, ces partenaires, bah, c'était plus logique de les sortir du débat pour qu'il puisse y avoir un débat transversal 1, et aussi pour respecter le timing que je vais essayer de respecter, puisque les animateurs ont bien respecté le timing, je vais m'y tenir également. Terminer sur les solutions ou les propositions qui ont été amenées, bah, évidemment il faut les analyser plus en profondeur sur le... sur l'octroi automatique, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour toutes les mesures d'exécution de la peine? C'est des choses qui peuvent être approfondies. Et ça m'amène au dernier point, je terminerai par là. Il faut des suites à ceci. Pour tous ceux qui ont raté, on était 170 au début, on est 140, 130 à la fin, c'est normal. Mais tous ceux qui n'ont pas vu, tous ceux qui sont partis avant la fin, vous pouvez regarder les vidéos sur Internet. Elles sont disponibles sur le site du SPF Justice. Elles sont également disponibles pour l'internement et pour la première table ronde et pour les suivantes. Mais on va aussi tirer les conclusions plus... écrite de ce qui a été dit, de ce qui a été écrit. Tous ceux qui ont tapé dans le chat, vous avez vu que tout le monde a essayé de rebondir sur vos remarques, donc merci. Je regarde la caméra. Donc merci pour avoir rebondi, mais ça ne sera pas oublié. Et ça sera d'autant moins oublié que tout ce qu'on va retirer de ces séances va servir à l'établissement du conseil pénitentiaire. Ça n'a pas été dit, je crois, par le ministre au début, mais c'est utile de le rappeler.
Toutes ces tables rondes sont aussi un pied à l'étrier, un début du conseil pénitentiaire qui, en 2023, va voir le jour et où là, alors peut-être pas sous le terme d'accompagnateur de détention, mais en tout cas, il y aura un accompagnement global de la détention avec une réflexion tant des communautés que des extérieurs, puisque des profs du NIF sont également prévus, ainsi que évidemment des magistrats et autres partenaires dans ce conseil pénitentiaire pour qu'on puisse ensemble discuter sur l'avenir, et ça ne doit pas être que la surpopulation, ça peut être la détention dans son ensemble. J'ai vu, j'arrête. Ok, dankjewel. Dan denk ik dat het tijd is geworden om af te sluiten. Uiteraard, als we nog wat willen verder spreken met elkaar, dat kan nog wel even, denk ik. Hè. Maar er zullen ongetwijfeld ook wel mensen zijn die naar huis moeten, kinderen afhalen, op tijd thuis moeten zijn. Dus hartelijk dank voor jullie tussenkomsten, ook jullie voorbereidingen. Het was het is een moeilijk thema, een spannend thema. We hebben jullie naar jullie uiterste getrokken, hè, om toch proberen na te denken over een mogelijke oplossing. Ik denk dat er nog vele andere pistes zijn, dus hartelijk dank. Merci à tous.